to bus to anywhere just to be elsewhere. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Bonsoir, comment allez-vous? Oh Maya, tu veux sortir peut-être? Je suis désolée, c'est ça que je devais faire en fait. J'ai complètement merdé, il y a tout qui se passe mal. Allez, oust, hop là. Je sais pas pourquoi, dès que je lance mon stream, elle part alors qu'elle a passé vraiment la journée dans mon bureau. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est ça que je me demande. Hein? C'était pas du niveau d'hier soir malgré tout, c'était pas des pros comme NS. De quoi Tibouchou? De quoi? Trop bien une choré sur la chanson. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Petit message pour te remercier de la découverte de Maïté hier, j'ai passé la musique pendant le cours de danse et de... les troisièmes aujourd'hui et ils ont adoré, un groupe a décidé de faire sa choré dessus, donc merci. Oh mais c'est trop cool Tibouchou! C'est incroyable, tu leur as montré ma choré pour les inspirer un petit peu ou pas du tout? Merci beaucoup petit chat pour le 8e mois d'abonnement. Titine, merci beaucoup pour ton prime. Merci infiniment et merci Simet Geekette pour les 5 streams consécutifs. C'est beau. Coucou Mel, salut Citrilt, Heavy Firefly, Alorunae, Megan Z, Tibouchou, Manelou Gameuse, Olin, Bilwak, Kawaiko. J'étais justement en train de regarder une de tes rediffusions. Ah oh, bah c'est trop cool. Coucou Kim Young, Newning plutôt. Trop contente d'être là pour le 3ème épisode. Et oui, c'est trop cool! Salut Justine, coucou Kaedine, salut Xuani, Lalu Senpai, Vava Banana, Rijuju!
C'est ça ou pas? Oui, c'est ça, Juju Rulli. C'est rigolo, vous avez des pseudos qui se ressemblent un petit peu, j'adore. Et coucou, Dolorian Jess, Abibi, Mousse, Aela, Moonexmas, Idril Emeraude. J'avais oublié le live de ce soir, j'ai pas fini de rattraper le live de samedi. Merde! Ah, c'est con ça, Idril. J'ai décidé que Lera Evilness, c'est terminé. Heavy Firefly, ça me va tellement mieux. Parce que tu brilles dans la nuit, c'est ça? Tu brilles dans l'ombre? C'est pour ça? Hein? You would not believe your eyes if heavy firefly lit up the world as you fell asleep. Coucou, c'est Matt Geekette. Salut, allumette en assiette. Et coucou, Minasso. Coucou, Lodie Ecosisque, Léa... Lodi, Ecosisque, oui, pardon, Léa Gotte, Louise, Manon, j'ai l'impression de pas savoir lire ce soir, je suis vraiment navrée d'avance. Coucou Manon, salut Dark Pimous, Angela, Amé, 16, SozoBN. Suite d'hier, j'ai décidé d'attendre de recroiser ma crush du boulot. En dehors du boulot, d'ici quelques mois, actuellement, il y a trop de choses en jeu, dont mon poste actuel. Eh bien écoute, fort bien, t'as bien raison, et dis-lui au revoir et puis voilà. Coucou Elod, merci beaucoup pour les 3 streams consécutifs, et Manon, merci pour tes 3 streams consécutifs aussi. Coucou Tourniquet, les Capri, Olzi, Clidiu, Babi Sami, Marion, Kimoun, Chiou, Ambre, Ella, Perlinka, ça va très bien et toi, comment tu vas? Je suis un peu fatiguée, mais ça va. Chez nous, il y a de la neige. C'est où chez vous? C'est-à-dire chez nous? Parce qu'à Toulouse, c'est chez moi. Donc peut-être chez nous. Mais il n'y a pas de neige là chez moi. Toi qui sais pas lire, nous qui savons pas écrire, on est dans la merde. Ah, mais ça va être un très bon stream. C'est pour ça qu'on va jouer à un jeu vidéo qui va nous permettre de ni lire ni écrire. Voilà. Comme ça, il n'y aura aucun souci et ce sera parfait. Je vais vérifier que le son soit bien. Imaginez, on a des problèmes de son comme la dernière fois. J'aimerais bien qu'on lance rapidement le jeu ce soir. Je vais pas vous cacher que je peux pas rester trop tard. Et ok, il y a pas de son. Je peux pas rester trop tard. Du coup, j'aimerais bien lancer assez vite pour pouvoir qu'on joue quoi et pour qu'on joue le plus possible. Alors il faut que je le mette par défaut. Hop. Ok. Ok, que je quitte le jeu. Imaginez, ça marche pas. Ok, alors attendez, j'essaye de vérifier que tout fonctionne. Faites que ça marche. Ok, ça marche. Ça marche. Merci d'avoir plus clair. Et bah avec plaisir, coucou Ju. Tu vas bien? Mais tu peux être là? Comment ça? Merde, faut qu'on parte tous. Quel enfer, c'est pas vrai Julie, hein. C'est pas vrai. Julie m'a envoyé une carte, mais pas par rapport à ce que j'ai dit hier. Genre juste, elle est arrivée hyper tard la carte, mais elle m'a envoyé une carte trop mignonne. Je sais pas si je peux le dire, mais voilà, ça m'a fait trop plaisir. Elle était trop belle la carte. Voilà, trop belle parce qu'elle écrit trop bien et trop belle parce que la carte a été très bien choisie aussi. Alors attendez, je vais... Où est-ce que c'est son? Excusez-moi, je règle juste le son parce que sinon on va se péter les tympans, ça va être un enfer. Beyond Two Souls, ça va revenir en jeu s'il vous plaît. Voilà. Ok, c'est parfait. Coucou du coup, juste salut The Foreigner, ça va très bien et toi? Coucou Linette, salut Myrilla, coucou Une Fille Rêveuse, merci beaucoup pour les 3 streams consécutifs. Coucou Ruby de l'Ombre, j'ai pas eu la notif du dernier live sur les Sims. Ah merde! Mais c'est trop bizarre ça! Coucou Méduse Lunaire, trop chelou! Faut regarder sur Instagram, je mets les stories pour prévenir généralement. Et sinon, vous pouvez activer les rappels sur le planning Twitch. Vous pouvez aller dans Programme et vous mettez activer un rappel. Comme ça, ça vous dit à chaque fois qu'il va y avoir un live. Je pars dans 15 minutes à l'entraînement. Alors, on peut commencer maintenant. Elle n'est pas arrivée tard. L'autre est juste jamais arrivée chez toi ni revenue chez moi. Et j'en ai renvoyé une autre lundi. Non, mais juste, franchement, c'est un truc de ouf. Hein. Comment ça se fait qu'elle soit pas revenue chez toi? Peut-être qu'elle a été distribuée dans une boîte aux lettres au pif. Peut-être, hein. Imagine, quelqu'un va recevoir cette lettre. Et avoir un superbe magnète. Genre. Voilà quoi. Coucou Alexis, je sais pas que je suis là. Comment ça va? Ça va très bien, j'ai déjà vu toute la game, je vais rien spoil. Mais c'est fun de revoir et j'aime bien le jeu. Ah bah c'est trop cool. C'est ce qu'on s'est dit aussi avec Lucas. Non mais incroyable. Alors attendez, je vous propose qu'on passe en jeu assez rapidement comme je vous disais. Vous entendez bien? J'ai l'impression que la musique elle change en fonction de où on en est dans le jeu. Vous ne voyez pas. En fait vous entendez mais vous voyez pas. À quoi bon? Est-ce que maintenant ça marche? Non mais c'est trop là. Pourquoi il y a toujours des problèmes sur ce jeu? Pourquoi il y a toujours des problèmes? Écoutez. Je vous propose donc... C'est bon, c'est pas grave.
on va passer en mode bureau. Voilà, c'est pas très coloré. Coucou petit Chouki, merci infiniment pour le troisième mois d'abonnement. J'espère que tu vas bien, parfait le look de la journée sur IG. Visage ouais. Souriant. Regardez ça, comment cet outfit est incroyable. On est bien là. On est bien. Merci beaucoup pour le troisième mois, Pichouki. Pas Pichouki, Pichouki. Et coucou Léa, salut, ça va très bien et toi? Coucou Poupilours. Enfin, j'arrive pendant le live et pas pour la rediff, j'ai déjà joué au jeu, mais j'adore te regarder jouer. Oh, mais ça fait trop plaisir, Poupilours. Bienvenue dans le chat, bienvenue, bienvenue. Et coucou Cassie, ça va très bien et toi? Salut les petits chats. Et merci beaucoup Simet Geekette pour le quatrième mois d'abonnement. Elle est trop belle en gros plan comme ça, on est d'accord. Hein. Elle est trop belle. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? To start the game. Let's go. Coucou Castorams. Attendez. Attends. Non. Prête. Merde. Prête. Ouais. Vous entendez bien? Cool. Allez-y, j'enregistre. Ah non, il est là. Concentre-toi, Judy. Dis-moi si tu ressens quelque chose. Merci beaucoup, Kokula, pour le sixième mois d'abonnement. Merci infiniment. Et en plus, il y a Judy. Et oui, c'est trop bien. NSX-Cœur. C'est trop cool. Attendez, il faut que je me réapprenne à jouer. Merci beaucoup pour le sixième mois, la demi-année. Oh. Tu vois quelque chose, Aiden? Ok. Merci, papa, c'est vraiment super joli. Ouvre-la. Ok, les souvenirs attachés aux objets. Tout va bien? Ça veut dire que les objets, ils ont un peu une âme? Oh! Oui, je vais bien. C'est stylé. Tu as vu quelque chose? Bah, parlez. J'ai vu une petite fille. C'était sa boîte à musique. Oh non, sa fille, elle est morte? Oh non, 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 mais non, c'est trop triste, là. Non. Oui. Coucou, Miranda. Attends. D'accord, je lui dis. Eh oui, c'est trop bien, merci, bah, ça fait plaisir que vous aimiez Attends. Les rediffs. Un certain Ryan Clayton est là pour te parler, il dit que t'es au courant. Ah, il a pas l'air très au courant. Oui. Ah, bah si, en fait, il est au courant, je me suis trompée. Reviens dans un instant. Coucou, Style. Ah, bah ça fait trop plaisir! C'est trop cool que tu viennes plus souvent en stream! Merci beaucoup, Iwan, pour le deuxième mois d'abonnement! NSX danse, NSX danse, NSX danse! Merci beaucoup pour le deuxième mois, merci infiniment! Alors, on peut se lever? C'est qui? Ah, c'est le gars de la CIA! C'est lui qui va nous faire des trucs qu'on veut pas! On va écouter la conversation! Écoutez. J'ai jamais trouvé le bon moment pour lui dire. J'ai besoin d'un peu de temps. Non. Professeur Dawkins, je dois l'emmener aujourd'hui. J'ai des ordres. Putain, mais il était beau gosse, mais c'est un con. Mon assistant et moi, on est la seule famille qu'elle ait. Oh elle non. N'a aucune idée de ce qui se passe dehors. Écoutez, Dawkins, je comprends ce que vous ressentez. Sincèrement. Mais les ordres sont les ordres. En fait, c'est la possession de l'État, du coup, cette gamine, vous c'est horrible. Vous allez m'amener ou je dois aller la chercher? Hop là, vas-y, assieds-toi. Ah, la meilleure position, bien sûr. Judy, tu peux venir, s'il te plaît? Non. Non, non. Pas envie. Comment elle s'est relevée de la chaise? Elle a juste glissé sur le sol. Tu veux pas me parler, me dire au revoir? Je sais pas faire quelque chose. Attends, voir. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre, là? Nice! C'est sympa, en tout cas, l'ambiance, hein. Vraiment, déjà, c'est pas du tout glauque, ici, hein. Vraiment pas. Allez, on y va. Salut, beau gosse. Qu'est-ce qui se passe, Nathan? Merci beaucoup, Fiofioche, pour les trois streams consécutifs. Tu vas bien? Judy, voici Ryan Clayton de la CIA. L'agence a demandé à ce que tu rejoignes le programme de l'école militaire à Camp Perry. Ryan prendra soin de toi à partir de maintenant. Ryanair? Tu vas partir avec lui, Judy. Ryanair Light? Non, mais c'est horrible. Aujourd'hui.
et toutes les expériences. Je croyais qu'on travaillait ensemble. Désolé, Jody. Je dois obéir aux ordres. Je t'en supplie, Nathan. Pitié, les laisse pas m'emmener. Jody, écoute. Je sais que c'est difficile, mais il faut que tu comprennes. C'est une belle opportunité pour toi. Oh, alors c'est comme ça? Tu sais ce qui est mieux pour moi et je suis juste censée fermer ma gueule et obéir aux ordres. Oh non, elle me fait trop de la... Écoute-moi bien, j'en ai rien à foutre de ta putain de crise d'adolescence. Viens, lui fait du mal. Alors tu peux pleurnicher tant que tu voudras, mais tu vas la fermer et faire ce que je te dis. Tu sais quoi? Va te faire foutre. Ça suffit, on y va. Viens ici. C'est comme ça! Tu me respectes maintenant! Je te dis, arrête ça tout de suite! Je te dis. Je t'en prie. Fais ça pour moi. Oh non, non, tu peux pas lui dire ça! Non, mais non! Non, mais Josie! Jody d'amour! Je vais chercher mes affaires. Tape-le! Prends juste l'essentiel. On a tout ce qu'il faut à Campéry. Oh là 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 là. Non, mais c'est trop triste! Oh non, c'est trop triste, vraiment. Ok, il faut qu'on choisisse quoi prendre. Allez, on va tout péter. On doit faire nos affaires là, on est d'accord. Pourquoi ces affaires étaient déjà prêtes? Non mais pleure pas, Josie. Prends ton petit doudou lapinement. Ils vont brûler ses affaires, c'est sûr. Allez, vas-y. Tu peux pas le prendre? Ah, elle peut pas le prendre. Allez, prends la photo. Prends-la. Je sais pas comment on fait pour... Ah, c'est ça! Faut la... Allez! Voilà. Prends la photo. Je veux que tu prennes ton doudou lapinou aussi. Hop là, voilà. On met ça dans le sac, bien sûr. On continue. Et c'est vraiment des trucs pas essentiels qu'elle prend, mais c'est important d'avoir des souvenirs. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire ici? On peut tout péter. Y'a personne. Mais genre même... Y'a personne avec nous, c'est horrible. Oh non, je trouve ça trop triste. Et elle fait ça en sanglotant, mais non, mais non! Mais Jody, s'il te plaît! Aide-moi à pas être triste, là, parce que c'est compliqué. Est-ce que t'as besoin d'autre chose? De tenue, peut-être? T'as pas des vêtements quelque part? Voilà. On va prendre des habits. Hop. T'en as pas beaucoup, mais tu vas les prendre quand même. Voilà. Là, c'est tout bon. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose là-dedans? Elle a des culottes? Je sais pas si elle a des culottes. Ça commence bien la soirée, hein. Merci beaucoup, Léa, pour le 7e mois d'abonnement. Merci infiniment. Hello, j'ai du retard, purée. Oui, un petit peu. On a commencé. Bah, moi, je suis en retard, mais on a commencé vite du coup parce que j'ai pas beaucoup de temps ce soir pour jouer. Donc c'est comme si au final j'avais pas de retard et qu'on avait parlé un peu plus longtemps, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai autre chose à récupérer ou pas? Alors, voyons voir. Ici, y a rien. On est d'accord.
de ce côté-ci. Ah. Oh non, le petit dessin. J'espère qu'ils vont pas brûler ses affaires, hein. Ça me fait vraiment peur. Ça me fait vraiment très peur. Vous imaginez que elle s'est sentie rejetée, abandonnée toute sa vie. Là, elle se sentait enfin bien avec des gens. Et genre, ils l'abandonnent. Enfin, c'est... On déchire le père et on la met dans notre sac. Voilà, on la déchire, c'est bien. Bien. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Je pense qu'on est tout bon, hein. Ouais, il est trop beau le dessin, Sevena. C'est horrible, bordel! T'en fais pas. Je suis sûr que ça va aller. Merde. Tu vas drôlement me manquer, tu sais, princesse. Mmh. Ouais, la musique est trop belle en plus. Je viendrai te rendre visite dès que possible. Je ne t'abandonnerai jamais. Bah, tu viens un peu de l'abandonner quand même, hein. Quel gros con, Ryan! Moi, je pensais qu'il était trop stylé et tout! On doit y aller. On peut pas l'éclater, là? Je viendrai lui rendre visite entre deux attentats contre Spider-Man! Ah, bordel! Donc elle n'est pas rentrée à la CIA par choix, mais par force. C'est hyper triste. C'est hyper triste. Oh là là, merci beaucoup Léa pour le 7e mois d'abonnement. Merci encore une fois. Coucou Miranda. Hyper contente de te voir jouer à ce jeu. Pareil, j'ai regardé avec Dave ces épisodes présents. Mais ça fait trop trop plaisir. Coucou Masha Maolia. T'as commencé il y a longtemps, j'ai loupé la notif. J'ai commencé... Non, j'ai commencé assez rapidement. En fait, là, je pense qu'on a eu un chapitre de 10 minutes, c'est ça? Coucou Jovonne. Comment ça va? Et coucou LZ! J'ai pas raté grand chose, je crois. Oui, non, non, t'as pas raté grand chose, t'inquiète pas. Coucou Pidou! On a juste fait un chapitre qui a pas beaucoup impacté. On sait juste maintenant qu'elle avait pas le choix en fait d'entrer à la CIA. C'était vraiment, elle a été un peu réquisitionnée de force, quoi. Et coucou Medusa! Ça va très bien et toi? Salut Fiofioche! Coucou Lolo! On en est où de la chronologie? Bah en fait, on fait un peu tout et n'importe quoi au niveau de la chronologie, mais là, elle était adolescente encore. Coucou Miss Lutti! Salut Stoan P! Coucou Abix Lilou! Les personnages sont hyper réalistes. En vrai, c'est bien foutu, ouais. Coucou Léa. Il s'est passé quoi? Elle a été enrôlée de force à la CIA. Coucou Elodie. Salut Lulu la pomme de terre. Donc, ça explique aussi pourquoi elle a déserté. Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que si elle était là-bas, bah oui, effectivement, tout le monde se servait d'elle et qu'on l'utilisait un peu comme un objet, quoi. Monsieur, vous êtes beau à l'intérieur, mais moche à l'intérieur. Ok, beau à l'extérieur, mais moche à l'intérieur. Coucou Kiffy. Salut Pastèque Noob. Et coucou Lily Roseloy. Salut One Vibes. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour les 10 streams consécutifs. Regardez Rokirou. Coucou Une Louloutre de France. Salut Kenoche. Merci beaucoup pour le follow. Coucou Jinta. Salut ADPLCR. Et coucou Biscotte, Banana Louise, Owalia, Sevena, Nouille, Lanetta Iko, Marley, Maliciae. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Jaléo pour les 3 streams consécutifs. Coucou Nuage Éphémère, Xuxuland, Med LCT, Lisa, Kim Chou, 5e compte. C'est vraiment ton 5e compte. Ça a commencé il y a longtemps. On a commencé le live il y a 24 minutes. On a fait un chapitre de 10-12 minutes. Donc vous inquiétez pas, c'était un chapitre où juste on a compris qu'elle avait été un peu enrôlée de force à la CIA. Et puis voilà. Coucou Filante, merci beaucoup de discuter dans le chat. Bienvenue à toi. Coucou Lilounette Danse. Comment tu vas? J'ai trop aimé ta nouvelle vidéo. Oh, mais ça fait super plaisir et ça va très bien et toi? Coucou Nax, salut It's Andrew. J'espère que vous allez bien. J'ai une théorie du pourquoi elle est partie, mais comme j'ai des brides de souvenirs, j'ai peur de spoil, donc j'ai rien. Ok, pas de soucis, Masha Maolia. Nickel. ça va très bien, une louloute de France, j'espère que toi aussi. Si tu veux avoir plus de mobilité avec Aiden, faut que tu jongles dans les parties calmes sur la difficulté du jeu. Non, ça va. En vrai, ça me gêne pas. Ça me gêne pas de pas avoir autant de mobilité que ça. C'est pas non plus quelque chose qui me manque particulièrement. Coucou Clorous, salut salut. On va continuer. On a menacé Clayton. Clayton et Dawkins sont espionnés. On a raconté nos visions à Dawkins. Ok, bah c'est tout bon. On peut continuer là-dessus. Let's go. Ok, on en est où là? On va faire
Il est où celui qu'on va faire ? Le dîner, entre l'ambassade et Fugitif. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment, le premier chapitre qu'on a fait et le moment où elle s'est barrée et où elle a fait en sorte elle voulait plus être à la CIA, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il y a des gens qui faisaient des matchs de boxe. Ça ressemble quand même vachement à des vraies images, ça. Elle a l'air épuisée de la vie alors qu'elle doit avoir quoi ? 17 ans ? Ouais. Jody ? Salut, c'est Ryan. Elle l'aime bien. Ryan. Je me demandais si t'avais eu mon email. Quel email ? Ils ont quel âge de différence ? Il y a 3 jours. Tu sais, j'ai eu quelques soucis avec mon ordinateur. Il disait quoi, cet email ? Je t'invitais à aller au restaurant ce soir. De toute façon, c'est trop tard. Mais une autre fois. Merde, je suis désolée, je... Ils ont quel âge de différence, mais pourquoi est-ce que tu viendrais pas dîner ici ce soir ? Oh non, enfin, va falloir ranger. Tu voulais voir mon appartement et tout ça, alors... Ok, mais... On se dit vers 20h ? D'accord, j'apporte une super bouteille de vin. De vin ? Mais elle a pas l'âge de boire ! Si ? Mais elle a quel âge ? 10 ans d'écart ? Genre, il l'a vu quand elle avait genre 15-16 ans ? Et là, elle a quel âge, elle ? Ça dépend de son âge. Sinon, c'est bizarre. Je comprends mieux pourquoi t'as explosé l'ordi. Aiden est jaloux ? Je vois Ryan. Ça ne te regarde pas, je te signale. Je fais ce que je veux. Non, fais chier. Fais chier ! J'ai pas envie que ça recommence. Je suis pas à toi, Aiden. Je peux avoir une relation avec qui je veux, tu entends ? C'est ma vie. Aiden, est-ce que tu peux comprendre ça ? Je fais ce que je veux de ma vie. Il est jaloux, Aiden. Tu sais quoi ? Moi, je trouve que Ryan est super. Hein ? Il est charmant, il est intelligent, il est drôle. Et je l'aime vraiment beaucoup. Aiden aime pas Ryan, ouais. Il sent la douille, je pense. Ouais, je sais ce qui s'est passé au bar. Je te remercie beaucoup de me le rappeler. Aiden protège Jody parce que la dernière fois qu'il y a eu un contact avec des hommes, c'était des gros connards de merde. Oh non, mais c'est adorable, Aiden. Ryan n'est pas comme ça. Il est 19h. J'ai une heure pour faire le dîner, tout ranger et me faire... Coucou Raïm ! Mais en vrai, tu peux rattraper le très rapidement, si jamais, avec les moments où on parle entre les sessions, parce qu'on a fait juste un chapitre de genre 10-15 minutes. Donc n'hésite pas, hein. Il lui manquerait juste encore à Aiden. Alors attendez, parce qu'il va falloir qu'on arrive à tout ranger... Elle doit s'en sortir toute seule, c'est ça ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais tu vas manger après ? Ok, ça va. Mais c'est dégueulasse chez toi, ma vieille. Bon, la poubelle dans la cuisine. Bah oui, ça quand même, la moindre des choses. Elle est pleine, c'est ça ? Non, ça va. Recyclage peut-être ? Non, je sais que t'es aux États-Unis, mais quand même ! Un minimum ? Oh, mais non, mais elle vit dans un dépotoir, là. Elle a des trucs partout, elle range pas. Ça va pas du tout ? D'accord. Pas de soucis, Jody. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ? C'est un film ? Ok, les livres. C'est des livres. Dans les bibliothèques. Qui se trouvent juste là. Hop. Allez. Allez ! Voilà. Nickel. Nickel. Merci de m'aider à ranger, c'est vraiment très gentil, hein. La technique ultime. Ouais, mais là, elle pouvait juste ouvrir le placard au-dessus, quoi. Ok, on s'habille ? Ou peut-être pas ? Je sais pas. Le linge sale. Au sale. Dans le panier de la salle de bain. Ah, de la salle de bain ? C'est là. Ok, voilà. D'accord, ensuite. On continue, s'il te plaît, madame ? Je déteste la vue ! Je déteste la vue, comment elle est quand on est dans les jeux...
putain. Pas cool, Aiden. Oh merde, le dîner. Bon, il doit y avoir un truc dans la cuisine. Bah il faudrait que tu t'habilles aussi et que tu te prépares, non? Mais là c'est bon, c'est rangé. On a fini ce qu'il fallait ranger. Oh, mais la vue caméra est un... Je vais péter un boulon, je déteste. Je déteste. Alors voyons voir, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la vodka? On va peut-être pas boire ça. Pourquoi t'as hésité? En fait, je voulais la ranger. Je sais pas que ce soit là. Je dois trouver une recette réalisable en une heure. Non mais ça va, en 20 minutes! Qu'il y a dans le frigo. En 20 minutes, ça devrait suffire. Bœuf à l'asiatique. Ça a l'air bon et... C'est pas trop compliqué. Poulet au curry et légumes au four. Un peu plus long. Ça va prendre du temps avec le four, mais... Ça paraît faisable. Ok. Je me passerai de tes commentaires par contre, hein, Judy. Des même. Pizzas toutes prêtes. Bon, c'est pas très raffiné, mais pas de préparation, pas de stress, ouais. C'est une bonne idée. Ah! Bœuf à l'asiatique. Allez. Ouais. Bah pour le bœuf, après tout, c'est un peu exotique et... Tant que je fais pas n'importe quoi. Faudrait que tu t'habilles aussi, peut-être, non? Je sais pas ce que t'as dans le frigo, par contre. Ok, au niveau de l'or, on est bien. Allez, on prend tout ce qu'il faut. All good. C'est bien, t'as 3 recettes et avec assez de trucs dans ton frigo. Ok. On est tout bon. Je vais devoir faire la cuisine pour... Qu'est-ce que tu fais, Aiden? Merci, Aiden. D'accord. Mais là, tu me stresses. Tu veux pas aller prendre ta douche avant? Comme ça, tu sais que t'es prête s'il arrive un peu à l'avance ou quoi? Je sais pas. Moi, je suis tout le temps en retard. Ok, mais il y a des gens qui sont tout le temps à l'avance. On n'est pas très copains, généralement. Ah, il pleure. Oh non! Même les gens qui ont des super pouvoirs, ils pleurent. Et oui. Allez, on est tout bon. C'est la viande, ça? Eh ben, t'as pas beaucoup de quantité, là. C'est même pas pour une personne, ça, on est d'accord? Ça se passe plutôt bien. Il y a un bruit bizarre. Alors, de quoi t'as besoin, ici? Faut qu'on lise la recette, c'est ça? Non, elle... Je comprends pas ce que tu fais! Trou du cul, là! Ah, d'accord. Ok, j'avais pas compris, en fait. Aiden, s'il te plaît, me fais pas tomber. Aiden, sois gentil. Sois gentil, petit coco. Quel enfer de devoir prendre un tabouret pour accéder à tes placards à chaque fois! C'est terrible, ça! Ok, on est tout bon? Ok. On ajoute un petit peu d'huile d'olive, parce qu'il y a que ça de vrai dans la vie. L'huile d'olive, c'est très bon, c'est délicieux. Mm-hmm. Ensuite, on ajoute tout ça. Tu peux tout mettre en même temps? Ah ouais! Non mais super! D'accord! Sympa! Arrêtez. Gingembre. Ah bah oui, du gingembre de ouf. Gingembre. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est aphrodisiaque. Oh, oh la bon, coquine! C'est pas dans la recette, mais... Non mais pas trop, hein. Allez, sincèrement, au point où j'en suis... Mais Jody... Mais enfin... Ouais, ok, sel. Ok. On en met un deuxième coup ou pas? Allez, un deuxième coup. Ok, je pense que c'est bon, tu peux arrêter. Nickel, tu lui fais cuire ou pas? Arrêtez. C'est prêt, là? Ah! Oh! Ça a l'air un peu collé. Je sais pas si c'est normal, ça, Jody. Ah, mais c'est elle qui va faire tout cramer! Je crois que je commence à aimer la cuisine. Bah ouais, c'est stylé, la cuisine! C'est trop bien! Mais c'est la première fois que tu cuisines? Adorer ça.
Qu'est-ce que... Oh merde! Merde, il est déjà là! Voilà, j'arrive! Bah non. Non, non, t'arrives pas. Tu vas pas lui ouvrir en culotte? Tu vas prendre une douche rapido? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu vas... Mais... Mets-toi un pantalon! Ah! Mais sors de cette douche! Mais bon Dieu! Sors de... Elle veut pas... Ah! Ok, c'est bon. Tout va bien. Alors, est-ce qu'on a de quoi s'habiller? Je me le demande. Elle va sentir très mauvais, oh, je pense. Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche avant? Oui. On s'en fout. On lui dit « Attends deux secondes !» Ok. Allez. Mais pourquoi elle veut pas prendre une douche? Non, il est à la porte. Osef? Putain, mais... Non, mais je vais péter un boulon, hein. Je vous jure, je vais péter un boulon. C'est quoi ce bordel? J'arrive! Bon, qu'est-ce que je mets? Voilà, alors, on va dire qu'elle est passée à la douche. Cool, sexy, élégante. Cool. Oh, il va être très élégant, lui. Oh, salut, Ryan. Ouais, c'est cool, j'ai juste enfilé ces vieux trucs, tu vois. Mais non, il ramène une bonne bouteille tranquille. De vin. Ça va. Remettre. Oh, c'est trop négligé. On va mettre élégant, je pense. Élégante. Mais tu vas sentir pas très bon, par contre. Oh, salut, Ryan. C'est la même robe qu'avant ? Oh, ça te plaît ? Classique, élégante, mystérieuse. Je suis pas sûre. Je veux pas qu'il se fasse des idées. Bah ouais, mais sexy, c'est pas non plus... Elle propose quoi? Ah, salut Ryan. Viens, je t'attendais. Ok, ok, ok. Il va me voir sous un tout nouveau jour. Ok, bah c'est pas... C'est normal ça? Pourquoi... En quoi c'est sexy? Bon, Aiden, tu ferais mieux de laisser tomber. Ok? En quoi c'est sexy? Ce rendez-vous aura lieu. C'est la tenue la DJ plus correcte, entre guillemets? Waouh, mais qu'est-ce qu'elle est sexy! Bon! Merde. C'est Aiden qui frequissonnait. Oh, bien joué, Aiden. D'accord, tu m'as eu. Allez, ouvre la porte. Oh, le relou! C'est lui qui sonnait? On est d'accord, c'est lui qui sonnait? Quand elle essaye aussi de le contrôler, ok, ça la met en PLS. Mais elle peut réussir à le contrôler? Ok, on apprend des choses. Tu sais, tu perds ton temps, Aiden. Tu m'empêcheras pas de voir Ryan. En fait... Il est quelle heure? Attends, mais ça va être l'heure, là. On peut pas retirer le truc du feu? Qu'est-ce que... Attends, là. On peut faire la vaisselle. Est-ce que j'ai le temps de prendre ma douche? Bah ça, j'en ai aucune idée, hein. Ok, là, on est tout bon.
J'aimerais bien qu'elle y aille, mais je pense qu'une fois que t'es habillée, tu peux plus prendre ta douche. Malheureusement, ça ne sera donc pas possible. Je sais pas du tout, Aka. Tu vas bien? Alors, voyons voir. Est-ce que je peux... C'est peut-être que je dois aller là? Ah! T'essayes de voir s'il est arrivé? T'as l'air un peu haute pour ça. Ok. Est-ce que je peux contrôler Aiden? Je peux pas contrôler Aiden. Mais est-ce que tu peux prendre ta douche? Pourquoi j'ai jamais l'option douche qui s'affiche? Ça m'énerve! Elle a jamais pu prendre sa douche! J'ai jamais eu le petit point douche! C'est trop chiant! Ok, le lit est fait. Vraiment, l'appartement est bordélique de ouf, mais le lit est fait. C'est bon à savoir. Ici, c'est tout bon. Ok. Faudrait que je range les petits coussins ici, peut-être. Voilà. Putain, Aiden, arrête de faire des conneries! Ok, là on est tout bon. Il faut aussi que j'enlève les chaises que Aiden a mis en bazar. Voilà. Très bien. On continue avec... Elle vit quand même dans un palace toute seule, hein. Mais non, tu vas toujours pas boire. En fait... Non ! Je voulais pas faire ça. Promis, je voulais pas faire ça. Merci beaucoup, Marla, pour le 16e mois d'abonnement. On peut annuler une action? On peut annuler une action? S'il vous plaît, va te brosser les dents au moins, fais un truc, je sais pas. Non! Je comprends pas ce que je dois faire de plus, en fait, là. Hein. Je dois attendre que l'heure passe. Bah, ouais, super. Voilà, voilà. Et puis, peut-être me préparer... Ah là! Il y avait un truc ici. Oh, c'est tellement mal foutu. Ok, parfait. Tu te regardes juste, tu te prépares pas? Non mais... Sérieusement? Je suis en train de perdre patience là, c'est quoi que je dois faire? Faut aller répondre... J'ai déjà répondu à la porte! C'était Aiden. Mauvaise idée ça. Reste, Jody. Okay, tu pourrais prendre une douche. Inutile de paniquer. Tout va bien se passer. Mais il est pas derrière la porte. Mais il est pas là. C'était Aiden qui me jouait des tours. Pourquoi vous dites il est là? C'est pas vrai. C'était Aiden qui me jouait des tours, si ça... Mais ça n'a pas sonné. C'était Aiden qui sonnait. La porte, je peux pas y aller. Il y a une raison. Vous voyez ce que je veux dire? Mettre la table. C'est possible de mettre la table? Attendez, je vais essayer de voir. Où est-ce que je pourrais aller pour mettre la table? Alors, un placard pour la table. Peut-être là? Non. Là, non. Ouais, le canapé, c'est le dernier truc que je peux encore faire. J'essaie de regarder, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose à préparer? Tu veux pas te laver, tu pues, quoi. Fais chier. Bon. Il y a un meuble dans le salon. Je vais essayer de le trouver. Je déteste les appartements quand ils sont grands comme ça et qu'il n'y a rien à faire. T'as rien à faire, là. Ah, voilà. Merci. Vous gérez. Alors. Sinon, t'habites ici. Non, mais en vrai, c'est chiant. Pourquoi elle peut pas prendre de douche, là? Maintenant qu'elle sait qu'elle n'est pas pressée par le temps, elle pourrait prendre une douche et se changer à nouveau. Oh, je suis trop deg. Je suis vraiment trop deg. Prends ta douche, tu pues, quoi. Vous pensez que je pourrais plus jamais prendre ma douche, là? Je suis dépitée. Je suis vraiment dépitée. Vraiment. C'est quoi, ces trucs? Je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Il y a moyen de prendre la douche, je pense.
Ou alors il aurait fallu que j'essaye d'aller lui ouvrir en culotte. Et là j'aurais encore pu prendre ma douche. Je vous jure, je ne comprends pas comment on prend sa douche. Je ne comprends pas. Il y a une baignoire, une douche. C'est supposément là qu'on prend une douche. C'est son odeur quand elle transpire. Quand elle transpire, ouais. Même dans les chiottes, je peux pas y aller. En fait, le jeu comprend pas pourquoi tu n'as pas ouvert la porte quand ça a sonné. Il aurait fallu que tu passes la scène où Aiden... Ah ! Mais non, c'est bon ! Vous voyez ? Vous dites n'importe quoi ! Ah, oui, c'est ça, il aurait fallu que je passe cette scène avant de m'habiller, mais j'allais pas prendre le risque qu'il me voit en culotte, quoi. Aiden, tiens-toi tranquille. C'est important pour moi et je compte sur toi. Hey. Château Margaux 2001. Ok. D'après le vendeur, c'est une très bonne année. Ça pas sûr. Super. Je sais ouais. pas. Ok. Ok. Mhm. Ah, ils sont habillés pareil, c'est rigolo. Oh, assieds-toi. Je vais chercher le. Le repas. Le truc pour ouvrir le vin. L'ouvre-bouteille. Alors, où est-ce que c'est? C'est ici, bien sûr. Oh, où est ta part? Hein? Ouais, merci! Aiden. Père? C'est pas vrai! Quel enfer! Tu peux pas mettre un peu de musique? J'aurais peut-être dû mettre de la musique. Parce que là, ça fait un peu. Bah oui, pour le coup, elle est hantée. Ok, le petit ouvre-bouteille, les petits verres, très bien, et ensuite un peu de musique, parce que là c'est un peu, voilà, ça manque. Est-ce que je peux allumer la musique maintenant ou pas? Oh, je peux pas allumer la musique maintenant, c'est dommage! C'est trop dommage! Alors, et qu'est-ce que je fais là? D'accord, je vais faire le tour de la table, d'accord? Parce que j'ose pas trop passer trop proche de toi non plus, voilà. Tu veux que je l'ouvre? Non, oui. Non, c'est bon. Ah, d'accord, non. Bon, voilà, voilà. Ok. Est-ce que c'est une tenue sexy, entre guillemets, parce qu'on voit ses sous-vêtements un peu, c'est ça? C'est ça l'idée? Genre, il y a sa culotte qui dépasse et son soutien-gorge qui est par transparence, c'est ça? À ton nouvel appart. Je viens de comprendre. Hop là. À mon nouvel appart. J'ai déjà bu une gorgée de vodka avant que t'arrives. Alors, t'as emménagé quand? Oh, il y a quelques semaines. Ouais, c'est l'agence qui l'a trouvé pour moi, meublé et tout ça, c'est cool. Et en fait, c'est le premier appartement que j'ai pour moi toute seule. C'est bizarre, faut que je m'habitue. Tu vois. Toi, en fait, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Non, j'habite juste à la sortie de la ville. Là, c'est mieux. Et tu as grandi ici ou? Non, je viens de l'Oregon. Mes parents et mon frère. Merde, ça arrête pas de faire ça, c'est bizarre. Je crois que mon voisin doit avoir la même télécommande ou un truc dans le genre. Ok. Désolée. Ok. On veut pas gâcher le date non plus, vous voyez. Comment t'as fini par intégrer la SAIA? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai intégré la fac sans savoir ce que je voulais faire. Ok, il a intégré la fac sans savoir ce qu'il voulait faire. Tu sais, l'action. Assez longtemps pour savoir que c'était pas pour moi. Uh-huh. Et quand un recruteur de la CIA m'a contacté, j'ai dit oui. Super, l'appart en T1. Je devrais peut-être, tu sais, aller surveiller le dîner parce que faire la cuisine, c'est un tout nouveau monde pour moi. Ok. Tu veux de l'aide? Non, mais va t'asseoir et tu peux nous resservir tant que t'y es. Mais t'as pas bu? Ok, bah oui, bien sûr, il tient comme ça! Non mais, Aiden jaloux. Non mais ça va, alors voyons voir, est-ce que ça a l'air bon? Oui. Oui? Il a répondu à ma question, vous pensez? Bref, à l'asiatique, hein? Oui, c'est... Oh, j'ai passé un an en Asie, j'adore leur cuisine. Oh. Bah, te réjouis surtout pas trop vite, hein? Je crois que c'est la deuxième fois que je cuisine et... Je préfère pas repenser à la première fois.
Bah, c'est peut-être pas les recettes les plus faciles à faire, tu vois. Il y a beaucoup d'ingrédients. Mmh. Genre des pâtes, c'est bien bon pour commencer quand tu apprends à faire la cuisine. Bien, je suis contente que ça te plaise. Ok. On se connaît depuis combien de temps maintenant, hein? 2 ans? Et je sais rien sur toi. Non, mais je veux pas que tu gâches tout, Aiden. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai grandi avec mes parents sur le campus de la DPA et ensuite Nathan s'est occupé de moi. Et puis la suite, de toute façon, tu la connais. Et tes parents, est-ce que tu les vois? Non. Non. Pourquoi enfin, y a pas de musique, ça m'énerve. Je crois qu'ils étaient terrifiés de voir que j'étais différente. Mm-hmm. Ok. Alors, non. Nathan et... Je veux juste avoir un beau point de vue. C'est eux qui m'ont élevée, en fait. Ils m'ont appris à supporter Aiden. Tu te souviens les gens à qui et puis tu l'as retiré telle que je suis. Ça a pas toujours été facile, mais... Enfin, je fais des progrès. Dis-moi, est-ce que Nathan a réussi à t'expliquer l'origine de ce lien avec Aiden? Non. Pas vraiment, non. Enfin, ils ont appris plein de choses au sujet de l'inframonde. Mais... pas grand-chose sur Aiden. Enfin, je sais même pas si lui-même sait... Et... il est là, en ce moment? Il nous écoute? Oui, c'est moi qui décide où je regarde. Ouais. Super. Aiden me quitte jamais. Et toi, alors? Tu as de la famille, ici? Non. Non, mes parents vivent toujours dans l'Oregon. Je les vois le moins souvent possible. Il a pas l'air chaud, hein. Il a, il a pas l'air chaud pour Aiden. Tu es marié, peut-être, ou... Non, non. Enfin... Enfin quoi? Si, enfin, je l'étais. Oui, mon ex-femme et moi, on est séparés depuis... 2 ans. Mais t'as quel âge? Et, ça collait pas. Enfin, plus sur la fin. On a passé de bons moments, mais... finalement, on a décidé de se séparer. Et toi? T'as quelqu'un en vue? Toi? Non. J'ai Aiden, donc. Ah, bah super de mettre Aiden dans ce panier-là! Je veux dire quelqu'un de notre monde. Tu sais, Aiden a, disons, toujours fait fuir les gens autour de moi. Enfin, à moins que ce soit moi. Peut-être que je suis trop bizarre pour qu'on s'intéresse à moi. Tu es spéciale. Ah! Pourquoi ce contact physique direct? Aiden n'a rien à voir avec ça. Allez, on le pécho. Mais on pue de la gueule et on pue parce qu'on s'est pas douché. La dernière fois que t'as embrassé quelqu'un, c'était pas très bien passé. Je suis très gênée maintenant. Je suis très gênée, j'ai l'impression de regarder un film avec mes parents et que d'un coup il y a une scène olé olé. Vous ressentez ma... Mais quoi? Non, je vais pas avoir des QTE à faire pour lui enlever sa ceinture, hein. Ryan, arrête. Hein? Stop. Jody, qu'est-ce qui se passe? Désolée, c'est pas ta faute. Oh non, se rappelle juste... au bar. Qu'il y a des choses que je peux pas oublier et... C'est rien. Désolée. Ça va. Bah c'était un peu rapide en même temps, hein. Écoute, je vais y aller. Oh! Le bâtard! Il la laisse chialer là parce qu'il a pas... baiser, c'est une blague! Euh...
On pouvait coucher avec Ryan. Oh ! Attends, mais... Moi, je me demande qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que ça fonctionne. Quel con ! Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que ça fonctionne ? T'es déçu ? Non, mais je me dis, quelle est la chose que j'ai faite qui fait que ça n'a pas fonctionné ? Être propre. Ne pas être... Ah, peut-être si j'étais sortie du bar avant qu'il se passe quoi que ce soit. Le sucer dans le fauteuil direct. Non, mais c'est ça. J'aurais pu ne pas aller au bar, j'aurais pu sortir du bar avant qu'il y ait un problème. Et ouais, ok. C'est stylé de savoir que bah, j'ai, en fonction du choix, du coup, il y a des trucs. Et oui, c'est ça. Coucou Liv Limel, salut Audrey Nati. Je suis en train de manger, mais je reviens juste après. Eh ben écoute, bon appétit, peut-être que t'es déjà de retour. Coucou Solili Sims, je découvre, c'est bien comme jeu. En vrai, c'est trop stylé. Coucou Strum Victor, merci beaucoup pour le follow. Salut Enikagam, pardon. Comment ça va? Coucou Gouraïm, est-ce que vous avez l'information de quel âge elle a dans le chapitre Le Dîner? Coucou Lumfi, on dirait pas Elliot Page. Si, ben c'est lui, voilà. C'est lui avant sa transition. J'aurais trop voulu savoir ce qui se serait passé. Ça aurait été stylé, mais en même temps, j'avoue que j'étais déjà gênée. J'aurais pas 20, non. Mais on le sait, est-ce qu'on le sait de source sûre ou pas du tout? On le sait de source sûre ou pas? Merci beaucoup, Lune Tiffé, pour les 5 streams consécutifs. Coucou Tiffany, salut Manwen, et salut Glitteraza, merci beaucoup pour le follow. Coucou Ikio, salut Arakma Ané, merci pour ton follow aussi. Coucou Aurélie, salut Candice, merci beaucoup Amaterasu pour les 7 streams consécutifs. Coucou Nils le Crocodile, Gloan a faim. Salut Reini Priti, coucou Aka, salut Seokai. J'arrive seulement, j'espère que... Non, t'inquiète, t'as pas manqué beaucoup. Coucou Maël, salut Sucre, coucou Miss Greenette Milka, ça va très bien et toi? Salut Hilarante. C'est ce que tu faisais à la première mission un peu. Le fait de contrôler Aiden. Coucou Jananour, merci pour ton follow. Salut Fanny Nilo. Et Marla Banana, merci encore pour le 16e mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci. Coucou Luna Ayeno, salut Marie Roche, merci pour ton follow. Salut Christitos. Salut Célia, merci pour le follow. Coucou Easy Bilam, salut Julien Crest, salut Jet Setteuse, Vava Sky, coucou Krlmnrl, bienvenue dans le chat, salut Kalia, coucou Irobot, bienvenue aussi. Il y a moyen de prendre. Bah, du coup, on n'a pas réussi à prendre la douche. On n'a pas réussi, mais c'est un gros con, on est d'accord, hein. On est d'accord à l'unanimité que c'est un gros con. Oui, c'est ça. C'est ça quoi? J'ai testé toutes les possibilités, et du coup. Oui, c'est sûr. Non, je suis pas d'accord. Oui. Et du coup, vous avez son âge ou pas du tout? Coucou Jetsete, salut Baba Sky, coucou Clemonr. Bah, je vous ai déjà dit bonjour. Attends, salut Luc. Comment vas-tu? Mais c'est pas... Salut, ça va Charles? Eh oui, j'allais te dire, c'est pas... Fab. J'ai eu un bug. Tu vas bien? Coucou Nya Nya Nya. Comment ça va? Salut Tsukia, coucou Flashbob, salut Ruby Thursday. Et coucou Yuki Girl, salut Lilichou et Chapi Chaput. Juste pour te dire que ta façon de jouer aux Sims, tu m'inspires beaucoup. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Coucou Ginger Aurélie. Et salut Trivelien. Salut Mademoiselle Owl, Yushi, Kuni Art, Nawel, Tucson. Mais n'importe quoi, il sait juste pas comment réagir, il panique. Mais tu te barres pas. Coucou Estelle. Moi, je l'ai fait fuir avec Aiden. Ah, c'est possible de le faire fuir carrément. Mais je préfère que ça se passe comme ça c'est elle qui se rend compte, tu vois, de ses limites. Et c'est pas Aiden qui les provoque. Coucou Love. Salut Val, salut Sabinouille, coucou Lexi, et coucou Cube Cubic, salut Indiana Jones. J'ai abandonné les streams Beyond Two Souls après le premier stream, j'ai vraiment pas accroché, c'était mieux après. Franchement, c'est trop stylé, ouais. Coucou Winnie, salut Vic Passy. Il y a un moment un peu western et tout, c'est trop bien. Salut Lovely Loveuse. Et il n'y a plus le côté très, le côté un peu film d'horreur, tu vois. Donc c'est très agréable. Oui, c'est un con, Nathan. Mais on le savait depuis le début, mais j'ai juste voulu lui faire vivre un peu l'histoire qu'elle kiffait, quoi. Vous voyez? Vous avez fait un chapitre. On a fait 2 chapitres, Miss Kiwi. Coucou Twiceland. Salut Mélissa Top. Merci beaucoup pour les 3 streams consécutifs. On a fait, ouais, du coup, on a fait 2 chapitres. Le premier, c'est comment est-ce qu'elle est allée à la CIA. Et là, on a fait le dîner, qui se passe entre le moment où elle va à l'ambassade et le moment après où elle fuit tout le monde. Voilà. Ryan, Nathan, c'est le chien. Ah oui, Ryan, pardon, Ryan.
On continue ? Je vous propose que nous continuions. Merci pour les réponses, je vais peut-être regarder les rediffs alors. Bah, tente, et puis après, si ça te plaît pas, te force pas. Hein. On est où, là ? Séance de nuit. Séance de nuit, c'est entre l'expérience et l'anniversaire. Oh, bordel ! Elle est entre enfant et adolescente. Ah non, elle est juste enfant. Ok. Du coup, leur seul travail, c'est de s'occuper d'elle, c'est ça ? Nathan, je suis trop fatiguée. On peut s'en aller maintenant. Oh, bon sang. Il est déjà aussi tard que ça. Je suis désolée, j'étais complètement plongée dans... Il est trop mignon ! Je sais que tu as eu une longue journée. Dis, ce matin, je t'ai acheté un livre. Est-ce que... C'est mieux d'avoir de voir tous les épisodes, mais si t'as pas vu tous les épisodes, en vrai, tu peux comprendre aussi assez facilement, hein, parce que c'est dans le désordre dans tous les cas. J'ai envie de lui faire un câlin. Elle est trop mignonne, j'adore. Ça te ferait plaisir que je te le lise avant de dormir. Oui. Ah oui. Ah, elle est trop chouette quand elle sourit en plus. Merci beaucoup, petit Penny. Je pense que je l'ai laissé. Merci dans beaucoup pièce. Pour ton Prime. Pourquoi tu n'irais pas le récupérer ? Je finis. Bienvenue parmi nous. Merci infiniment d'avoir lâché ton Prime ici. D'accord, je vais le chercher. Allez, on y va. On est parti. C'est trop bien. On dirait qu'on regarde un peu un film du mardi soir. J'aime bien le mood. Oh non, mais elle a peur. Alors, ah. Où est-ce qu'il est ce livre ? Alors, c'est toujours dans des pièces bizarres où il y a des portes et des interrupteurs qui peuvent s'éteindre. Je comprends pas, moi. Pourquoi on... Ah ! C'est pas Aiden. C'est pas marrant. C'est pas Aiden. Il va se passer un truc traumatisant là. Il va se passer un truc traumatisant pour moi et pour elle. Là ! Aiden ? C'est toi qui fais ça, Aiden ? Je crois pas. Je crois pas que ce soit lui qui fasse ça. Je crois vraiment pas que ce soit lui qui fasse ça et ça me fait un peu peur. Donc tu cours, ok, parce que là la porte elle va se fermer devant tes yeux. Tu peux pas courir ? Et hop ! What ? Et eux, ils ont pas entendu son cri, s'inquiète pas ? Tu l'as trouvé. On va pouvoir passer aux choses sérieuses et lire une histoire avant d'aller dormir. Je Mais dis... c'est qui ? Je dis, tout va bien. Tu es toute pâle. Elle est tout simplement fatiguée, la pauvre petite. Non, non, peut-être c'est pas que ça. Peut-être qu'il serait temps de la mettre au lit. C'est pas que ça. Oui ? Pourquoi oui, elle dit pas ? Attends, c'est pour toi. Non mais la laisse pas toute seule ! Nathan Dawkins. Il y a quelqu'un qui est mort, c'est sa femme et sa fille. Nathan ? C'est Laura et l'autre, c'est ça ? Nathan, qu'est-ce qui se passe ? Ma femme. Elle revenait de chez ma mère avec ma fille. C'est ça. Un camion. Le chauffeur était ivre et du mauvais côté de la route. C'est vrai, c'est sa femme et sa fille qu'on a vues. C'est ça. Elles sont mortes. Jody, c'est l'heure d'aller dormir. Reste ici, Nathan. Je reviens tout de suite. On y va, Jody ? Oh non... C'est horrible, c'est comme ça qu'il est devenu le bouffon vert. Ah putain!
On va ensuite avoir la mission après le dîner. Coucou, Gwendrael. Ah, Jamal Sheikh Sharif, l'un des plus dangereux chefs de guerre du pays. Il dirige une milice armée jusqu'aux dents, qu'il utilise pour contrôler plusieurs quartiers importants de la ville. Ce qui veut dire que notre aide humanitaire est bloquée. Tu dois trouver Jamal et l'éliminer. Il change de lieu deux fois par jour. Son dernier point de chute était le Zenaki, un hôtel qui est juste ici. Il y a peu de chances qu'il y soit encore, mais c'est un endroit comme un autre pour commencer. Tu seras seul sur cette mission. C'est juste après qu'il soit parti. Pas de contact direct avec l'ennemi, pas de renfort. Tu identifies et tu élimines ta cible, puis tu actives ta balise GPS pour qu'on puisse t'extraire. On doit te récupérer avant l'aube, alors ne perds pas de temps. Le dernier soldat américain capturé ici a été traîné dans la ville par une jeep. On a trouvé sa tête et une de ses jambes dans un bateau de pêche. Ah mais on risque rien avec Aiden. Je serais revenue avant même qu'il comprenne ce qui s'est passé. Fais bien attention, Judy. Je ne veux pas qu'il t'arrive du mal. Ah là, t'es tout doux à nouveau ? Allez, on le pêche encore. C'est un con, mais on le pêche encore. Jody, la pauvre, elle a jamais le droit à ces histoires d'amour. Même si c'est un con, on s'en fout. Il reste un peu de temps avant de partir, non? Ah, j'ai juste dit embrasser, hein. On va ken dans la tente et pas ken la tente, c'est pas la même chose, faut faire attention. Waouh, la lune est belle. Bonne chance, Jody. Je dois faire quoi? C'est discret en tout cas. Très discrète avec ses marques sur le visage et tout. Waouh! Ouh ah ouh! Coucou Noémie! Des gros bisous! Apprends à nager, je sais pas. Non mais qu'est-ce qu'elle fait dans... Là, pourquoi il y a un feu et tout? Oh! Oh oh! Pas de contact direct avec l'ennemi. Pas de renfort. Vérifie qu'il n'y ait pas de soldats, Aiden. Non! Ah. اخرج من هناك. اوكي. J'aime pas trop beaucoup ça. Ok. Ça, on connaît un peu, on a déjà fait ce genre de choses. Ok. Il y a du monde là-bas. Je crois pas qu'il y ait grand-chose, hein. Ok, j'ai du mal à comprendre ce que j'essaye de faire là. En fait, s'il y a un feu de camp, c'est qu'il y a quelque chose, non? Pourquoi elle fait ce bruit? Mais on doit aller où?
comprends pas ce que je dois faire. Mais tais-toi! Mais ferme ta boîte à camembert! Sa mère la mouette! Pourquoi elle fait ce bruit? Mais pourquoi elle fait ce bruit? Non, sérieux, c'est incompréhensible là pour moi. Il faut que je me mette à un endroit où ils me verront pas. Ou alors, au contraire, à un endroit où je vais être très proche pour pouvoir l'éclater sa grande bouche. Mais ferme-la. Oh, mais mon Dieu, elle est irrécupérable, ma pauvre. Ok, là on a un souci. Il y a un garde en haut. Donc, j'essaye de faire un truc. Je sais pas si ça va servir à grand chose. Mais j'essaye en fait de faire du bruit avec ça. Non, je peux plus. Je crois que je peux plus. Oui, c'est vrai que je peux le tuer avec Aiden. Vous avez raison. En soi, je peux faire ça. Oui, il y avait un point bleu, mais je me demandais si je pouvais pas détourner son attention, mais vous avez raison de ouf. Ok. Je me demandais si je pouvais pas attirer son attention différemment. Mais ta gueule, Jodie, tu me... Oh, oh oh. Mais... Pourquoi elle fait ça? Il y a un truc là. C'est quelqu'un là-bas? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-bas. Je comprends rien à ce que je dois faire, bordel! C'est terrible! J'aime pas ce genre de scène où tu fais des trucs mais tu sais pas ce que tu dois faire. Moi, j'aime qu'on me guide et qu'on me tienne par la main. Voilà ce que j'aime. Son dernier point de chute était le Zenaki, un hôtel qui est juste ici. Vois si tu trouves un truc. Ok. Le Zenaki. Mais pourquoi c'est bombardé? Ok. Zenaki. Génial. Allez, on y va. Oh bordel. Non, non, on n'y va pas. C'est quoi ce bordel? J'ai débloqué un... Comment ça, j'ai débloqué un nouveau bonus? C'est quoi un bonus? Bon, alors, attends. Parce que là, il y a un garde qui surveille. Ok. Là, ok. Là, il y a des gardes aussi. Là, il y a plein de monde. Oh, bordel.
On va peut-être devoir faire par l'autre côté, non? Mais je pense pas que ce soit possible. Là, il y a quoi? Ah, c'est bon. Oh, là, il y a des gardes aussi. Mais ils sont moins nombreux. Oh, sa mère. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok. Ça pue la merde, hein. J'aime pas. C'est quoi un bonus? C'est une scène supplémentaire? C'est ça? Il peut rien lui faire. Mais lui, il regarde vers où? Si je vais par là-bas, je peux rien faire non plus. J'en ai marre, c'est trop dur. Moi, j'aime bien faire des choses qui sont moins difficiles. Je comprends pas par où je dois aller. J'ai pas envie de refaire tout ça. Mais elle fait tellement de bruit. C'est un enfer. À quel point elle fait beaucoup trop de bruit. Je peux toujours pas l'éclater, lui! Elle fait tellement de bruit, elle est tellement pas discrète, ça m'énerve. Attends, mais s'il y a autant de monde là-bas, moi il faudrait que je passe par ici, là, cette ruelle, on est d'accord. On est d'accord que... il y a une ruelle. Ouais. Il y a une sorte de ruelle. Maintenant, techniquement, lui, je vais pouvoir le tuer avec Aiden puisqu'il a une aura rouge. Ici, il n'y a toujours personne qui bouge. C'est là-bas que je dois aller. Mais il nous regarde là. Vas-y, je l'attends. Oh, c'est chaud ce que je suis en train de faire. Hein. Non, mais là, eux, ils vont me voir. C'est quoi ce bruit? Je crois que tu vas pas trop aimer cette version, toi qui a pas l'air d'aimer les phases très sombres, ça va aller. Ouais, mais en fait, j'arrive pas à comprendre ce que je dois faire. Genre, je veux juste savoir, je dois faire quoi? Genre, je dois être greedy, essayer d'aller là-bas? Vas-y, j'essaie, de toute façon, j'ai rien à perdre. Ok. Bon, ils ont des petites armes, il y a des gens qui sont pendus partout. Ok. Là-bas, il y a quoi? Toujours le mec? Je peux pas l'atteindre, si. Ok, non, là, il y a des gens pendus. Et lui? Oups. On y va lentement, mais sûrement, ok? C'est très dangereux ce qu'elle fait. Non, mais le bruit qu'elle fait... Thank you.
pensez que je peux y aller, là? Premier degré, vous pensez que je peux y aller, qu'il va pas me voir? Il est littéralement assis à 2 cm. On essaye? Parce que sinon, on fait comment? On peut que avancer là. Est-ce qu'il va partir? Ah oui, Aiden, mais je crois que Aiden il peut rien faire. Tu vois, Aiden peut rien faire. Aiden ne met d'aucune utilité là, actuellement. À moins que... Ouais, non, vraiment pas, hein. Ok, tout simplement... Non mais là c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop dur. Ah bordel. Non mais c'est trop. Le gling gling c'est discret. C'est en enfer. Oh putain. Sinon on bouge pas le lendemain matin et découverte en train de... Vous pensez qu'il va falloir qu'on essaye de le maîtriser mais les autres ils vont capter direct. Est-ce que Aiden il peut faire quelque chose? J'ai peur là de faire une grosse bêtise. La discrétion, quoi. Coucou, mais prends une arme, non? Je passe en vitesse. Je dois absolument rattraper mon retard sur le let's play de Lola. Plein de bisous et bon jeu, NSX. Merci beaucoup, Maëva, bien pour le 25e mois d'abonnement. Merci infiniment. T'inquiète, il a deux cuillères. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Merci beaucoup pour le 25e mois d'abonnement. Et qu'est-ce que je voulais pas dire? J'ai fait le récap de l'épisode de Lola. Franchement, le récap, il est trop bien. Je parle hyper vite, mais il est trop, trop bien. J'ai hâte. L'arme, c'est pas super discret. Certes, certes, certes. Alors, elle est cachée là, genre? Ah mais merde, je pouvais le distraire. Bon, c'est où qu'on va, concrètement? C'est où qu'on va? Il y a un point de vue en hauteur? Ouais. On va là-bas. Oh bordel. Mais on doit faire tout le tour, là? Mais eux, dans quel monde ils nous voient pas? Dans quel monde ils nous voient pas? Ah, ça va. On peut peut-être coller le mur, ici. On peut peut-être aller coller le mur, là-bas? Est-ce qu'elle veut bien ramper à nouveau ou pas? C'est juste mal fait, je peux vraiment passer par là ou pas? Sa grosse tête qui dépasse du mur. Oh, mais baisse-toi, mais non, mais de ouf! Vas-y, va par terre. Mais elle est stupide, je vous jure, elle est trop bête. Bon, va falloir que j'essaye d'aller là-bas. Quoi ?
J'ai eu trop peur, bordel de merde. Débarrasse-toi d'eux. Attends, RB, c'est lequel déjà? Bougez pas, il faut que je regarde pour les QTE. Ah, c'est droite bas. Non, droite haut. C'est RB. C'est ça? Non. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le bouton du haut à droite. Ok. Ok. C'est bon? Je crois que c'est bon. C'est un peu violent ce jeu quand même. C'est un petit peu violent, voilà, je vais pas vous le cacher. Bon, Aiden, tu fais quoi là? Il se passe quoi? Donc là, on a réussi à faire ça. Nous, on doit aller dans cet hôtel là-bas. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit éliminer avant? J'ai l'impression qu'on est tout bon. Si on perd ici, ça va être un enfer, hein. Ok. Mais ça n'en finit jamais! Charmant l'hôtel, ouais, ça donne envie, hein. Ok. Déjà, elle a arrêté de faire beaucoup trop de bruit. Ok. L'hôtel Zenaki. Très bien. Donc, ici. Ici. Oh, bordel, ça pue la merde, hein. Ça pue la merde. Ça veut dire que la mission n'est pas du tout, mais alors pas du tout finie. Là, ça n'augure rien de bon. Moi, je vous le dis, ça n'augure absolument rien de bon. Très mauvaise cachette là par exemple. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Tu dois continuer? Tu peux le tuer ici? T'es assez près ou pas? J'ai l'impression que t'es pas assez près, ma cocotte. Non, elle est pas assez près. Ok, et est-ce que là t'es assez près? Toujours pas? Pas bon, pas bon, pas bon. Ah putain, mais il y a des gens là-bas! Quoi? Mais il y a des gens partout! C'est normal que ce soit pas assez près parce qu'en fait je comprends pas trop là, en fait je me demande est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal, parce que là je me demande s'il faudrait pas qu'on entre et qu'on essaye d'éclater la gueule du monsieur dedans, mais j'ai peur qu'il y ait un problème et que du coup voilà, c'est normal, d'accord, bien merci de me dire que c'est normal puisque là c'est très compliqué pour moi, je vous avoue, et c'est pas le style de jeu que je suis forte moi, hein. Moi, je sais créer. Je sais pas trop ce qu'il est. Quelle discrétion. C'est bon, on est assez proche. Putain, toujours pas. Et maintenant? Ok. Merci beaucoup, Slowey, pour le 30e mois d'abonnement. Merci beaucoup, merci infiniment, Slowey. Merci, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? J'ai raté des étapes ou quoi? Pourquoi il me fait revenir en arrière? Ok, là.
Moi, faut que je monte. Ok, jusqu'ici, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a... Il y a des sortes de flammes un peu partout. Ils sont partis. Bah, te tiens peut-être pas debout comme ça? Ah, c'est ça les bonus! Attends, je rate rien là. Il reste deux trucs à identifier. J'aimerais bien regarder s'il n'y a pas des trucs... J'aime pas cette musique. Vraiment, ça me plaît pas du tout. Cette histoire me plaît pas vraiment du tout, du tout. Sont près d'une cathédrale en ruine. Il y en a une pas loin d'ici. Je devrais trouver facilement. Non, c'est vrai. Ça va continuer là, c'est ça que t'es en train de me dire, Jody? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Putain, ça m'a fait peur, j'ai cru qu'il y avait des gens d'un coup. J'ai pas compris. Vous pouvez m'expliquer le flash? J'ai pas compris. T'es sûr que tu veux pas rentrer? Non, ouais, vraiment, je comprends pas trop le délire là. C'est-à-dire qu'on va on va devoir refaire le chemin arrière? Somebody help, not just anybody help. Ah oui, donc direct elle va là. La cathédrale en ruine, elle est où? Bordel, je suis perdue vu qu'elle est ressortie comme ça. Mais fais chier, elle est où? Je pense qu'elle doit pas être là où il y a les gens. J'ai du mal à comprendre. Je comprends plus rien, j'ai plus de sens de l'orientation, c'est bon, j'en ai marre! Alors, là, il faut que j'aille à la cathédrale. Sauf que quand on est monté, j'ai vu une cathédrale, mais je sais pas du tout où elle est, la cathédrale. Mmh.
faut aller là où il y a des gens. C'est bien ce que je me disais. Mais quoi ? Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr ? Mais comment ? L'échelle ? Ah ouais ? Mais ils vont la cramer ? Ah, il y a un X, j'avais pas vu. Ok, d'accord. En tout cas, ils sont vraiment... Merci de m'aider dans les moments où je suis perdue. Quand je pose des questions, merci beaucoup. Ils ont vraiment de la merde dans les yeux, c'est un truc de malade, hein. Et ça fait aucun bruit, ça, bien sûr. Oh, bordel! Oh! Personne n'entend. Personne n'entend. Personne. Mais pourquoi ça se met dans le mauvais sens là? C'est un enfer! C'est horrible. Je déteste les jeux de caméra comme ça. Alors, la cathédrale, elle est où? Est-ce que je suis dessus? Elle est là-bas, je la vois. What? C'est quoi ce bruit? C'est toi, Jodie, qui fait autant de bruit? Oh! D'accord. Oh non. Mais là, ça pue du cul, hein. Non, si, si, je vous assure, ça pue du cul. Aiden, aide-moi, bordel de nouilles! Ok, ok. Ah, il y avait quelqu'un? Ok. Ok. Je
comprends pas trop où je dois aller, mais on continue à avancer, hein. Alors, la cathédrale, elle est où? Oh, je suis perdue, mais je suis super, c'est un truc de ouf. Bon, ok, là il y a un garde, je suppose qu'il faut que j'avance vers le garde. Ici, il y a quoi? Ben, il n'y a pas de garde. Voilà. Parce qu'en même temps, la cathédrale, elle était là-bas, mais je crois que c'est une route bouchée là. Genre, il la voit pas là. C'est une blague. Hein? Oh, 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 oh. Et maintenant, j'entends des voix. C'est eux là-bas. C'est ça qu'il faut que je fasse ? Ok, tout le monde s'en fout ? Donc j'ai éteint la lumière. J'ai l'impression que ça me gratte l'œil de ouf. J'ai l'impression que ça me demande une telle concentration. C'est pas Versailles ici. Ah bordel. Vous êtes drôle, vous savez. Non mais je suis censée faire quoi là? Aiden, help me. Please. Help me understand. J'ai plus aucun sens de l'orientation, j'ai perdu l'église. Je veux bien un petit peu d'aide sur où est-ce que je dois aller, s'il vous plaît. Un peu de backseat sur le lieu où je dois aller quand j'en vous le demande. Ça me gênera pas, promis. Promis, promis, parce que là c'est compliqué. Je vais pas vous le cacher, c'est complexe. Oh bordel. On va vers les gardes. Dans la rue où t'as éteint la... Mais elle est juste au-dessus, là. C'est cette rue-là, tu veux dire? Faut que j'aille vers les gens? Mais je me cache où? Dans l'ombre. Apparemment, c'est suffisant. Oh, c'est là qu'il faut que je monte? Non, pas du tout. Mais elle est con quoi? Bah c'est pas là puisqu'elle m'a fait revenir à l'inverse. Avec Aiden, mais oui. J'oublie qu'on a Aiden. Attends, oui c'est bon. Mais parce qu'en même temps, à chaque fois que j'essaie de voir, il est inutile. C'est trop. Il y a une lumière à éteindre, il y a un truc à faire là. Vous voyez, Aiden est inutile. تغلب علينا. يعتقدون أنها ستسحرنا بجمالها. C'est normal ça? Enfin, j'ai fait hyper doucement, on est d'accord? C'est elle s'est jetée dehors alors que j'y allais tout doucement.
Qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Ok. Non mais ils entendent rien. Ils ont des problèmes d'audition peut-être à cause de toutes les explosions qu'on entend depuis tout à l'heure. Mais elle fait tellement de bruit. Que ça va, j'ai plusieurs essais. Donc A. L, B. Mais pourquoi elle fait autant de bruit, bordel de merde ? On sort tranquille, comme on est rentré. Elle est où l'église ? Alors, où est-ce qu'on va ? Maintenant ! Vas-y, hurle tant que t'y es, c'est vraiment ça. Non mais bordel, on est où ? C'est quoi ce bruit ? Ah bah là on peut faire quelque chose. Ok, ici on va devoir y aller. Donc, merci Aiden de me dire où est-ce que je dois aller. Maintenant, il va falloir que je trouve un moyen de faire de la merde. Oh merde, bordel de nouilles. Elle est où cette putain d'église ? C'est ça ? Je sais pas. Alors, maintenant. Y'a autre chose ou pas ? Non. L'église est devant toi. Oh, c'est... Ok. Mais je comprends rien, je vous jure, je comprends rien. J'ai l'impression d'être stupide quand je joue à ce genre de jeu. C'est ouf, hein. C'est vraiment très... Ça fait du mal à l'ego, quoi. C'est très blessant. Elle est devant, à droite. Ah oui. Effectivement, il y a une église. Très caractéristique de la croix. J'avais pas vu la... Je croyais que c'était ce truc là-bas, je me disais c'est rond, c'est bizarre même, ma foi. Et il faut que j'aille là-bas du coup ? Ou il faut que j'aille là où il y a des gens ? La minuscule croix ! Bah oui ! Mais dites-moi s'il vous plaît, backseatez-moi là, je vous le demande ! Je pleure. Faut que j'aille vers les gens ou vers l'église ? Tue les gardes, va vers l'église. C'est linéaire. Ouais mais je les tue comment ? Aiden, ils m'aident jamais. En tout cas, pas quand il faut. Là, il me zigouille, hein. La dernière fois que je vous ai écouté, quand vous m'avez dit de faire un truc un peu dangereux, ben, je me suis retrouvée baisée. Alors ? Il y a combien de personnes ici ? Ici, il y a vraiment personne. Et là, à l'intérieur, je crois qu'il y a personne. Il y a juste des gens devant, quoi. Tu t'approches, tu les étrangles. Non, en vrai, je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Il y a des gens là-bas aussi. En fait, c'est ça le problème. Faut que t'entres dans le bâtiment. Ça, c'est sûr, on est d'accord. La cathédrale. D'où est-ce que je la voyais dans ma vision ?
Bah de là. Ils sont venus ici. Alors, on avait donc une première tâche de pipi de loup-garou ici. Ok. Ça ressemble, hein, comme dans les Sims. Ils sont sourds, donc tu peux tenter. J'ai l'impression, ouais. Il y a des personnes qui parlent arabe dans le chat et qui comprennent ce qu'il dit ou pas du tout. Je suis trop curieuse en vrai. C'est quoi cette musique? J'aime pas quand il y a de la musique. Ils se sont fait attaquer. Ok. La sauce soja, c'est sucré ou rien. Elle aurait pu apprendre la langue en vrai, ouais. Je sais où ils sont. Bah maintenant tu transmets tes informations pour que ce soit pas à moi de le faire, ok? Parce que j'ai un peu la flemme, je t'avoue, de devoir encore aller me balader. Non mais c'est sans fin, hein. C'est qui on? Quelqu'un a presque fait mon travail. Mais oui, la même personne qui t'a volé tes informations la dernière fois, non? Enfin, la même personne, le même groupe, je suppose. Ok, est-ce que Aiden, y a moyen? Non, y a plus rien. Ok, bah écoutez, let's go, hein. On continue, hein. Oh. Donc, on doit aller tout là-bas, c'est ça? Y'a plus personne? Y'a plus l'air d'y avoir personne. On rentre dans l'église ou pas? Non mais là, on peut presque marcher tranquille, hein. Ok. Alors, ici, des gens. Ok. Voilà, c'est tout. Il y a des gens. Et je me démerde. Je vais rentrer dans l'église. Coucou Skipinou, tu vas bien? Alors, je pense que s'il me suggérait de me cacher, c'est que c'était par là que je devais aller. Mais, on sait jamais. Est-ce que Aiden, il y a des petites pistes qui ont été lancées par là? Parce que je pense que c'est peut-être un raccourci. Oh ouais, il faut aller dans la tour. Ça, j'ai bien compris. Mais est-ce que si on passe par là, ce serait pas quand même un petit long coursi? Ça vient d'où ce bruit? Il y a quelqu'un qui fait autant de bruit que moi. La tour est là-bas, ok. Alors, Aiden, tu me trouves un point par lequel tu veux bien regarder? Non, c'est trop compliqué, c'est trop demandé.
Ah! Oh non, un enfant! Bébé chat! On peut le soigner. On va l'aider. L'attaque t'arrive. L'attaque t'arrive. Où est la Cataltec? Doucement. Tu as l'air blessé. Je veux juste t'aider. Je vais avancer vers toi. Ne tire pas, ok? Oh, mais bébé chat! Mais ça me fait trop de la peine! Il a perdu beaucoup de sang. Il va mourir si je l'aide pas. Il est trop mignon. Je suis vraiment désolée. Je comprends pas un mot de ce que tu dis. Salim. On s'appelle Salim. Coucou les cas. Bienvenue, bonsoir à tous, coucou du coup Gwendrel, Poupib, Petit Penny, merci encore pour ton prime, coucou Luna Oli, Wanderer, Naruzagi, merci beaucoup pour le follow, coucou Shiny Oshay, Mikan la Mandarine, Subi Girls, merci pour ton follow, salut, Victoria Salander, Noémie de Pain, Lolo, merci beaucoup pour les 3 streams consécutifs, regardez, coucou Léa, salut, Kingtrex, je suis désolée, attendez, j'essaye de rattraper les bonjours en même temps que je vous dis bonjour, hello les cas, j'espère que ça s'est bien passé sans Andreas, ça s'est bien passé, dites-moi tout, on est actuellement nous en train de jouer à Beyond Two Souls, qui est un jeu d'histoire dans lequel on incarne Jody qui est en lien avec une entité qui s'appelle Aiden, et cette entité c'est un peu un lien avec le monde parallèle des morts, et du coup on n'en sait pas plus vraiment, mais en gros Jody elle fait en sorte de enfin là c'est un peu compliqué en vrai, mais elle a été abandonnée par ses parents, mise dans un laboratoire scientifique, le laboratoire scientifique a essayé de trouver ce qui allait, puis la CIA est venue la récupérer, donc elle a dû bien intégrer fait. La CIA. Ah, ça Marina, c'est toi, d'accord? Regarde Marina, bien fait. Regarde Marina. Tu vois? Oh, mais t'es riche Marina. Merci beaucoup Sarita. On comprend plus rien, il y a trop de merci beaucoup Sarita pour le 15e mois d'abonnement. Merci infiniment, merci beaucoup. Et coucou du coup Priscilla Poti, Soletila, Camille, Athénalizou, Jadoukb. Merci pour le follow, merci Tiff aussi. Coucou Apebel, coucou Elisa Labilge. Salut Louane, coucou Yukinel, Nuxferititi. Et salut Agatou Lepou, Andréag, Kenichia, Chafraîche. Disons qu'ils sont devenus sourds à cause des armes à feu, j'ai l'impression. Ouais, en vrai, c'est possible, non, comme théorie. On est très très peu discret dans le jeu, et on comprend pas parce qu'elle est censée être discrète pour rester en vie, et elle est vraiment tout sauf discrète. Elle fait en permanence, puis elle fait des bruits de ouf à chaque fois qu'elle se déplace, et on pense du coup que peut-être qu'effectivement, à cause des armes à feu, tout le monde est sourd dans ce pays. Coucou Meg, du coup. Salut Hello Helsing, coucou Anna Carman, salut C.A.T. Hélène, j'espère que vous allez bien. Coucou Aude, salut Glowim, Kat, Poussin ta vue, CG Rose, Noneuf, It's Morgan, Ambrim, merci beaucoup pour les 3 streams consécutifs. Regardez, coucou Mont Blanc, salut Skipinou, Nonoche, Miss Rebi, Or, Nanou, Lucas, Sereine. Sachez que là, ça fait vraiment très longtemps qu'on est sur ce chapitre, j'ai l'impression qu'il est infini et je le déteste. Non, je le déteste pas, mais vous savez, les chapitres où tu sais pas vraiment où tu dois aller, où t'es un peu en danger de mort, genre si tu fais pas la bonne chose, ça m'angoisse de ouf et c'est pas... J'avoue, c'est un peu compliqué quoi. Je trouve que c'est crédible la surdité. En vrai, de ouf! De ouf! Coucou Noir Mourlark,
salut Peanut, Mxchi, Marina, Kaunel, Valentina, Wilfina, Milky Wayou, Meilouche, Héloïse Angélique, Lulu la grosse fourmi, Vavatori, Duchesse, Maud, Yonisan, Sarita, Laurine, Lou, Sis, Eden, Mix, Gamora, Dunia, Méline, The Hellhound, Moon, attends, Manon, Liam, 220616, merci beaucoup pour le follow, coucou, Coquille Shail, bienvenue dans le chat, merci beaucoup Pink Zombie pour le 3e mois d'abonnement, merci infiniment, merci à tous du soutien, je viens juste pour vous faire un bisou pour la vie, des bisous Jadis Sims, et coucou Super Nunuche, merci beaucoup, Elpidia, Mimon et The Oily pour les follow, j'ai rattrapé tout le monde, waouh, c'est juste du touchage de nouilles intensif qui fait qu'ils sont sourds. Peut-être aussi. Hein. On dit que ça rend sourd, hein. Voilà. Allez, on est reparti. Là, on vient de sauver un petit garçon qui tire une arme. C'est horrible. Vraiment, c'est hyper triste. Et le pire, c'est que bah, ça existe aussi dans la vraie vie, quoi. Merci et beaucoup, Moss, pour le 31e mois d'abonnement. La merci beaucoup. Merci, merci. Ça fait trop plaisir. Coucou, Taline Fernia. Salut, salut. C'est le moment quand je m'épose généralement ou quand on est entre les chapitres où je discute un petit peu plus. Sinon, on est en train de regarder un film. En fait, c'est un peu le film du mardi soir. Du mercredi soir. Ce serait bien parfois qu'on se fasse des séances ciné aussi. Avec Prime Video, c'est possible. Mais du coup, il faut un abonnement Prime, forcément. Mais voilà, quoi. C'est un petit gars presque à la retraite. C'est horrible. Alors, attendez. On reprend. On vient de lui sauver la vie. Il s'appelle Salim. Jody. Et elle, c'est Jody. C'est... Jody. Jody ? Oui. Oui, Jody. Et là, il la tue. Jody. Jody. Merde! On dirait qu'on a de nouveaux amis. Alors eux, c'est ceux qui sont méchants contre les méchants contre qui nous on est mâchés, donc on est alliés. Eux, c'est ceux qui les ont pris en embuscade. Peut-être que je dois pas jouer cette partie. Putain, je dois jouer cette partie. Fais chier. LB. Quoi? Ok. Aïe, aïe, j'ai besoin d'aide tout de suite! Ok, Aiden, donc c'est l'entité à laquelle elle est reliée, et donc on peut tuer des gens avec Aiden aussi. Normalement, c'est pas aussi dark. Si jamais on suit son histoire depuis qu'elle est toute petite, ok. Ouais, c'est sûr que le petit va y passer. Non, ça fait trop de la peine. On suit son histoire depuis qu'elle est toute petite, donc c'est des bribes qui sont un peu mélangées. On sait pas quand et quoi. Il y a une frise chronologique et petit à petit, on fait des éléments au fil du coup du temps et c'est mélangé de ouf. Donc parfois, on a elle petite, parfois on a elle grande à la CIA. On sait qu'après ces missions qu'elle est en train de faire, elle s'est barrée, elle est devenue fugitive et elle a tué tout le monde de la CIA concrètement. Parce que, je cite, il se servait d'elle, parce que du coup, elle a ce super pouvoir et du coup voilà, donc on reprend. Ok, d'accord, je m'approche. Ok, ah simple, efficace, rapide, merci Aiden. On est parti, on se rapproche maintenant. Ok. Ok. Il peut aussi prendre la possession des gens. Regardez, c'est incroyable ce qu'il va faire. Typiquement. Là, c'est Aiden qui contrôle. C'est le seul qui fait du bruit en mourant. Allez, viens. Il faut qu'on parte avant que d'autres n'arrivent. Il comprend ce que tu dis, là ? Oh ! C'était sûr. Ça m'a surprise, ce QTE, bordel de nouilles ! Oh, sa mère. Oh non, il est trop mignon. Regardez comment il court et tout. Oh, je l'adore. Oh non, mais il est trop mignon. Il s'assure qu'on va bien et tout. C'est bon. Oh non, c'est l'aube. Je vais bien. Oh non. On fait une sacrée équipe, pas vrai, Salim? Non. Par contre, ça s'est levé vite, le jour, quand même. Le
soleil se lève. Ah bon? Ça va être difficile de passer inaperçu maintenant. La tour. Bordel, elle s'illumine? La tour est par là-bas. Mais on dirait qu'elle est complètement défoncée. La Burj Al Shabab. C'est là que je dois aller. Oh, il va nous aider. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Bah, la vie. Attendez, je fais n'importe quoi là. J'arrive! J'arrive! Il est trop mignon, je vous jure! Je l'adore! En plus, il est gentil et tout, alors qu'il pourrait nous tuer parce que. Bah. Oh mon dieu! Ah ouais, non, mais c'est un vrai, hein. Mais attends! Attends-moi, Salim! Je suis là. Pas le choix. On va devoir passer tout droit. Reste près de moi, d'accord? Non, il va se faire descendre, c'est sûr. Aide-moi! Ok. Eh ouais, je suis magicienne. Je suis magique. Ok, vas-y. Grimpe. Non, il va y avoir quelqu'un qui l'attend en haut, il va mourir. Oh là 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 là. Non, faut... Mais on est d'accord qu'ils ont la même combinaison qu'elle, c'est des gens de la CIA aussi, les autres qui sont en train d'attaquer là. On est d'accord? C'est des gens de son camp. Mais ça va pas? Mais vous êtes tarés, hein? Ok. Ok. Ok, on continue. Et là, en fait, c'est un guet-apens. Il nous emmène pas du tout là où on doit aller. Ok. Débarrasse-toi d'eux. Alors. On va prendre possession de lui, par exemple. L'autre, il doit se dire, gars, qu'est-ce que tu fais? Ok. Bon appétit, Aléa, Aéla. Aucune question ne se pose par ici. Aucune. Salut. Boum. Nice. Wouhou. Non, non, en fait, c'est pas un des deux gardes qui peut être possédé, c'est pas une coïncidence, hein, c'est que c'est Aiden qui fait posséder les gardes. Aiden, c'est comme ça, il peut le faire. Ok. Tout le monde, il peut posséder tout le monde, c'est juste que le jeu, il te dit c'est lui, en fait, avec qui il y a du gameplay. Ok, nickel. Il va nous conduire comme ça. Doucement, Aiden. On va essayer de passer sans se faire repérer. Et le pire, c'est que ça marche.
c'est chaud patate là, hein. Mais moi je croyais que c'était ça qu'il fallait faire. Salim, baisse-toi et bouge pas. Oups. J'ai pas fait exprès. Mais j'ai vraiment pas fait exprès! Mais je voulais pas! Je pensais que c'était ce qu'il fallait faire! Je savais pas que ça voulait dire accélérer, moi! Elle est trop forte! Salim, il est où là-dedans? Ok, Aiden a dû nous protéger, c'est sûr. Ok, tout va bien. Ils nous ont pas vus. Ok, moi non plus, je vous avais ça pas va, vu. Ça va, Salim? Tayeb, la mouzabi et Aza. C'est là que nos chemins doivent se séparer. Bah c'est trop dangereux pour toi, bébé chat. Putain, il j'aurais rien dû faire. Est-ce que tu comprends, Salim? Lana trop Cookie? Désolée, mais tu peux pas venir avec moi. Mais regarde. Tu es très courageux, Salim. Mais non, le laisse pas quand même. Et un jour, tout ça sera terminé. Fais pas des promesses que tu peux pas tenir par contre. Je pense que sa vie d'enfant est volée à jamais. J'ai rien compris. Il dit qu'il faut pas accepter tous les cookies. Il faut gérer les préférences. Désolée, j'ai pas de cookies. Jamal est quelque part dans le coin. J'ai pas beaucoup de temps. Alors, attends voir. La tour, elle est là? C'est même pas la tour, ça. Alors. J'ai pas beaucoup de temps et il est quelque part dans le coin. Il s'agirait de trouver où? Il y a des gardes partout sur les toits, ok? De l'autre côté, il y a quoi? Je pense que c'est pas là-bas que je veux aller. Je pense qu'il faut qu'on avance tout le temps, encore et toujours, mais il y a des gens partout. C'est compliqué du coup. Ok. Nickel. Bah attends, peut-être qu'on va essayer de voir si Aiden, il y a pas quelqu'un à tuer avant. Genre là, tout va bien, mais il y avait quelqu'un là-bas. Je vous jure, j'ai vu quelqu'un là-bas. Non, c'était peut-être dans ma tête. De toute façon, on verra. Au pire, on meurt. Toujours personne? Il y a quelqu'un là-bas, quoi. Alors. Là, c'est de là où je viens, on est d'accord.
Ouais. Oh bordel. Là, on va le tuer, par exemple. Ok, vas-y. Die ! Ça, je maîtrise. Ok ? Ça, je maîtrise très bien. Donc, ensuite. Je suppose que, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on aille... Ça veut dire qu'il faut qu'on aille où ? S'il surveille là-bas, ça veut dire qu'il est derrière, là. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors. Continuons. Alors. Où est-ce qu'il pourrait être? Là-bas, normalement, il n'y a plus aucun souci. Ici, c'était là où je pouvais tuer le garde. On va s'enlever de là. Toi, tu vis. Toi, tu vis. Toi, tu crèves. C'est ça, un peu. Hein. Ah oui, non, mais très discrète, là. Alors, est-ce que je peux voir quelque chose d'autre? Mais je vous jure, je crois pas que ce soit là, hein. Il y a quelqu'un qui crie. Je comprends que dalle, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Discrétion, c'est son deuxième prénom, j'ai l'impression, ouais. C'était là. Ça y est. Jamal est là. Ok. Je dois trouver un endroit près de la maison pour me mettre à couvert. Merci de me montrer où c'est. C'est gentil, j'ai hésité en plus tout à l'heure. Tu sais ce que t'as à faire. Bah non. Jamal, Aiden. Ok. C'est lui. C'est Jamal. Je vais pas pouvoir me rapprocher. Tu vas devoir le faire, Aiden. Salim ? Merde ! Qu'est-ce qu'il fait ici ? Il y a Salim ? S'il reste dehors, ça devrait aller. Ok. Non mais Salim va mourir, c'est sûr. Ok, tout le monde s'en fout, c'est bon, il n'y a aucun souci, c'était pas votre pote. Qui est-ce qu'on possède? Toi ou toi? Toi, tu fumes ta clope. T'as un chapeau, toi. Les chapeaux, ça veut dire que t'es quelqu'un d'important, non? Ok. Ok, tu te fais toucher par quelqu'un, hop. Bien. Allez, trouve une arme. Trouve une arme. Là, il y en a une. Ok. Là, il y en a une. LB. RB. On est très discret, n'est-ce pas? Il faut que je le fasse. Les ordres sont les ordres. Ce type a du sang sur les mains, il mérite de mourir. Allez, je peux le faire. Je peux le faire. C'est pas le premier qui je peux hein. Le tuer. Bah, tu peux pas tirer d'ici? ثم نقوم باستعادة النظام. أنا أقترح أنه ال.
viens vite m'ouvrir la porte. Je dois vérifier que Jamal est bien mort. Vite! Oh mon Dieu. Quel enfer. Quel enfer. Non. Non. Salim? Son père. Abi, la, la tamouja Abi, ana bi haja ilayka, la tatrukni, la tatrukni. C'est ton père. C'était sûr. Non, il va sortir l'arme. Limaza tu sais. Pas calme-toi, la kisatika tu. Pas que la balle elle rebondit. On prend une voiture ? On prend pas de voiture. Mais non, c'est vrai? Mais je t'ai guéri! Bon. En 10 ans dans la CIA, j'ai jamais vu un truc pareil. Le
patron a envoyé son propre hélicoptère pour ramener un agent. Toutes les grandes huiles sont dingues de toi, Jody. De toi et d'Aiden, bien sûr. Jody, tout va bien ? Bah non, ça va pas. T'as vu le nombre de personnes qu'elle a dû tuer ? Elle a trahi Salim en plus ? Je sais que c'était difficile. Mais c'est fini. On rentre. Oh, mais imaginez, Salim, il va se sentir trop mal. Genre, c'est grâce à lui qu'en fait elle a tué tout le monde. Je sais ce que j'ai vu là-bas, Ryan. Jamais. Oh bordel. Ouais, hein, le calme après la tempête. Oui, elle trahit personne, elle avait qu'une mission. Ouais, mais elle avait comment un ami aussi. Ferme ta gueule. Bienvenue Kenshia, du coup, et coucou Mooniscool. Merci beaucoup pour le follow, coucou Monomat. Et salut Peony NT. Coucou ACD, j'espère que tu vas bien. Coucou Kranost, merci pour les follow. Salut Krix et coucou Black Swan et Caro, merci à vous pour les follow. Coucou Laurine et salut Cucu. Aiden, en vrai, c'est qui? C'est son... Et la communauté internationale... C'est l'esprit auquel il est rattaché. C'est la reconnaissance officielle de l'élection du nouveau président Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, l'un des plus dangereux chefs de guerre du pays. Toutefois, certaines sources indiquent que Sharif et l'ensemble de son gouvernement ont été assassinés au cours de ce qui semble être une attaque non revendiquée. Tu dois trouver Jamal et l'éliminer. Beaucoup espéraient que le président nouvellement élu Jamal Sharif serait capable de mettre un terme aux hostilités qui ravagent son pays depuis tant d'années. Plusieurs chefs d'État ont déjà exprimé leur indignation devant ce qui leur paraît être rien de moins qu'une abominable exécution préméditée. Tu dois trouver Jamal et l'éliminer. C'était sûr, hein. C'était sûr que c'était ça. Tu m'as menti. De quoi est-ce que tu parles ? Jamal n'était pas chef de guerre. Il était président. C'était le président élu démocratiquement. Mais et alors ? On n'est pas des politiciens, on avait des ordres. Tu savais que je l'aurais jamais tué. Alors tu m'as menti. Bienvenue à la CIA, Jody. On n'est pas des enfants de cœur, au cas où t'aurais pas remarqué. On avait un job à faire et on l'a fait, c'est tout. C'est peut-être juste un putain de job pour toi, ok? Mais je m'amuse pas à liquider les gens parce qu'un connard de Général 4 étoiles me dit de le faire. Qu'est-ce qui se passe? Ok, Jody, écoute-moi, écoute-moi, calme-toi, ok? On en parlera quand on sera rentré, d'accord? Tu m'as manipulé. Tu t'es servi de moi pour faire ton sale boulot. Et quelle différence ça fait, Jody? Cet homme était condamné avec ou sans ton aide? J'ai du sang sur les mains. Un gamin a perdu son père à cause de moi. Parce que je te faisais confiance. Parce que je croyais qu'on faisait ce qui était juste. Je suis quoi pour toi, Ryan? Un jouet? Un putain de pantin à qui tu peux faire faire tout ce que tu veux? On traverse une zone de turbulence. Merde! Je perds le contrôle. Est-ce que tu m'as aussi menti cette nuit-là dans mon appartement? Jody, arrête, putain, tu vas tous nous tuer! Plus personne ne mentira jamais, Ryan. Jody! Merde! Oui! Et c'est comme ça qu'elle s'est enfuie! Ok! Oh, les frissons, j'adore! Ok, c'était trop bien! Putain, elle a fait son premier saut en parachute sans parachute. Trop fort! Ah putain. Nathan Dawkins. Ils se sont servis de moi. Pour tuer tous ces gens. Jody, qu'est-ce qui s'est passé? Je savais pas. Je faisais qu'obéir aux ordres. Où est-ce que tu es? Est-ce que Clayton est là? Non. Non, je me suis enfuie. Merci beaucoup Cassie pour les 3 mois à offert. Oui, c'est tu dois te rendre, Jody, on discutera, je suis sérieux. C'est fini, Nathan. Je veux plus être leur jouet. Tu leur diras bien
que s'ils essaient de me retrouver, je les tuerai. Jody, écoute. Dis-leur, Nathan. Je les tuerai. Waouh. Eh ben bordel. Merci infiniment Cassie pour les 3 mois offerts à Wasteboat. Merci. Du coup, Ryan, c'est un bad guy de ouf. Oh, attendez, voilà, voyons voir. Ryan embrassé, 72%. Capturé par les miliciens. Oh, j'ai eu un truc rare, 13%. C'est rare. Arme récupérée, soldat, 78. Sauvé sur le toit, 72%. On pouvait ne pas être sauvé. Oh merde. Repéré en ville, 57%. Repéré au point de contrôle, 81%. Ok, et il y a une voie non découverte, bordel. Oh ! Eh ben dis donc, c'est ce que j'ai envie de dire, eh ben dis donc. Coucou Krix, du coup, salut, coucou Blackson et Caro, merci beaucoup pour les follows, salut Laurine, coucou Bibi Lapin, Lapin quoi, comment tu vas ? Et salut Benjamin, coucou Monstratus, salut Jefferline, merci beaucoup pour le follow, et coucou Petit Lardon, effectivement tu arrives au moment émotion. Eh bien écoutez, est-ce que le prochain... On continue au niveau des chapitres. J'espère qu'il dure juste pas une heure, comme certains chapitres, le prochain. Bon, on va voir, parfois il dure 10 minutes. Parfois, ils en durent un peu plus. De vieux amis. Ok, c'est après Navarro. Navarro, c'était quoi? Ok, Navarro, c'est quand on était dans le western. Ok. Et là, on va du coup être après le western. Très bien. Ça dégoûte. Bon, là, c'est après qu'elles se sont enfuies, du coup. Bah ouais, c'est horrible avec la manipulation et tout. Oh, elle est trop mignonne. Oh non, j'ai envie de chialer. Après ce qu'on vient de voir et tout. Jody. Ma petite princesse. Oh. Me dis pas que c'est un piège. Laisse-moi te regarder une seconde. Incroyable, ça faisait longtemps. Mais t'es vraiment devenue une magnifique jeune femme. T'es plus jolie que jamais. T'as l'air triste et perdue. Comme la première fois que je t'ai vue. T'imagines même pas à quel point tu m'as manqué. J'ai envie de chialer. Aiden, comment il va ? Content de te revoir, mon vieux. On marche un peu ? Oh, merci oui. Beaucoup, Mélissa Lislik. Merci infiniment. J'espère que tu vas bien, souci. Bonne soirée. Ils veulent te retrouver. J'ai dû m'enfuir. J'avais pas le choix. J'ai les larmes aux yeux. Dawkins. Comment va Nathan ? Oh, c'est le grand patron maintenant. C'est lui qui gère la DPA. Il a fait un bon bout de chemin depuis l'époque de notre petit labo. Tu as dit à quelqu'un que je t'avais appelé ? Non, bien sûr que non. Pas même à Nathan. J'ai pas intérêt à ce que tout le monde sache que je fréquente une criminelle, pas vrai ? Expérience. Est-ce qu'ils ont trouvé d'autres choses sur l'inframonde ? Ils ont dépensé des millions pour développer un nouveau condenseur, le plus puissant qu'on ait jamais créé. Évidemment, ça n'a été possible qu'avec le soutien de l'armée. Et le truc dont je t'avais parlé ? Tu as trouvé quelque chose ? Le jour de ta naissance, une femme qui s'appelle Nora Gray a accouché à l'hôpital de la DPA. Mais son enfant était déclaré mort-né. Ah ! Où est Nora maintenant ? Les médecins l'ont internée dans un hôpital psychiatrique, juste après son accouchement. D'après son dossier médical, elle est encore là-bas aujourd'hui. Ma mère est enfermée dans un hôpital psychiatrique. Je suis navré, Jody. Il faut que j'aille la voir. Jody, je comprends que tu en aies envie, mais... c'est une patiente dans un asile psychiatrique. Tu trouveras peut-être pas les réponses que tu cherches. C'est pas pour avoir des réponses que je veux y aller. Je veux la rencontrer, c'est tout. C'est ma mère, alors c'est normal que j'ai envie de la voir. Si je pouvais la regarder dans les yeux une fois, je saurais qui je suis vraiment. Jody. Elle est dans un bâtiment sous haute protection de la DPA et tu es recherchée par absolument toutes les unités de police de ce pays. Tu pourras pas entrer sans te faire arrêter.
Y a rien qui pourra m'empêcher d'y aller. Écoute. Je sais que tu as pris de gros risques pour m'aider. Merci, Cole. Oh. Hey. Tu crois quand même pas que je vais te laisser y aller toute seule? Y a des news qui donnent le smile. Des bisous, Poupi l'ours. Des bisous. Bonne soirée. Je vais remettre mon pull, j'ai un peu froid. Il y a quelque chose qui cloche. Aucun garde à l'entrée. Le parking est vide. Ça me plaît pas, cette histoire. Ils veulent tout faire exploser? Si je suis pas revenu dans 30 minutes, je veux que tu t'en ailles. Je suis pas venu là pour attendre dans une voiture. Cole! Cole, attends! Ouais, c'est vraiment un papa. C'est vraiment comme un papa. Il est trop mimi. Mais ouais, c'est bizarre, ils veulent le faire exploser. Ils savent qu'elle va aller là parce qu'il a cherché des informations sur elle. Et du coup, ils savent que c'est pour lui donner à elle. Et donc, ils se disent qu'elle va arriver bientôt. Aiden, est-ce que t'as une idée de ce qui peut se passer, là? Non. Pas d'idée. Bah, elle est invincible grâce à Aiden, hein. Ok. Il y a quand même un réceptionniste. Et si t'essayais la politesse? Ça marche à chaque fois. Bonjour, je viens voir Nora Gray. Est-ce que vous avez une autorisation? Mentir. L'autorisation? Oh, c'est pas vrai, j'étais sûre que j'avais encore oublié un truc. Désolée, mademoiselle, tous les visiteurs doivent impérativement avoir une autorisation. Ok. Hop là! Easy, busy. C'est moi où il y a un bouton urgence, j'ai failli appuyer dessus. Je l'ai trouvé. Level 7, route 43. 7ème étage, chambre 43. Hey! Y'a pas de bouton d'appel. Peut-être derrière le bureau, là. Ok. Pour l'instant, ça va. Ok, il y a une petite sauvegarde là, je viens de le voir en bas à droite. Il nous voit pas là. Et maintenant, Aiden, trouve un moyen d'ouvrir cette porte. Faut distraire le garde d'abord. Bah oui, mais je, y avait pas d'autres points. Alors non, ça. Jette un petit coup d'œil. Derrière toi, il y a forcément un truc. Déjà, il y a une caméra là. Il
Ok. Bordel. Ok. Ok, il y a tout qui est un peu abîmé. Génial, Aiden. Ouvre la porte maintenant. Mais du coup, il n'y a plus d'énergie. Comment c'est censé ouvrir la porte? Et il s'en fout, lui? Ah oui, il s'en fout. Ok. Je crois pas qu'il nous ait vu. Caméra ou pas caméra? Pas caméra. Il y a forcément un truc. Oh, il est trop loin. Mm-hmm. Il est trop loin. Hop. Y a pas une caméra ici? Si, y a une caméra, mais on peut pas bouger. Alors, attends voir. Ah, il faut qu'on le fasse venir. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Ça, c'est fait. Maintenant qu'on contrôle le monsieur. Venez, messieurs, dames, venez. Entrez. Entrez donc. Je vous laisse cela là. Et moi, je vais vaquer à mes occupations. Pardon? Mais la violence? Attends, je vais récupérer la carte peut-être. Hop. Allez. Allez, tu peux le faire. Voilà, très bien. Bravo. Trop forte. Le pauvre. C'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Hop. On est tout bon. Chambre numéro 43. 36. Ok. Attends. Oh, quelle horreur! Ces cinglés me foutent vraiment les chocottes. Mais on arrête! On va trouver la chambre 43 et filer d'ici. Ok. 36. 37. Il y a d'autres caméras. 44! Non, je veux pas. Je veux pas. Ça va, merci. Alors, c'est là-bas, je pense. Mais il va falloir qu'on désactive toutes les caméras avant parce que sinon ça va nous poser problème. J'ai vraiment aucune envie de me faire repérer quand les plombs reviendront. Ok. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a une autre caméra? Chambre 43, j'ai trouvé, Jody. T'as assuré. Merci. Juste, je dois m'assurer, moi. Jody, par ici. Non, attends. Allez, Aiden. Voilà. Alors. J'attends ici. Merci, c'est gentil. Merci encore, Cassie, pour l'abonnement de 3 mois. Il est possible qu'elle soit troublée. Si ça se trouve, elle se rendra pas compte que t'es là. Tu devrais peut-être pas aller lui parler. Bah, bien sûr que oui, on est arrivé jusqu'ici, c'est pas pour ne pas aller lui parler. Oh, l'ambiance. Est-ce que ça va être exactement comme dans Stranger Things, où elle va juste pas parler? Maman, c'est moi. C'est Jody. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Le collier, c'est quoi son collier? Euh,
Stranger Things a de ouf copié sur le jeu, c'est un truc de fou, vraiment. Ouais, Stranger Things ressemble à Beyond the Soul. Ah oui, oui, mais juste, j'ai vu Stranger Things avant. Aide-moi, Ethan. Ouais, c'est rigolo, c'est pareil. C'est marrant. Enfin, marrant. Ça montre à quel point ils ont pas eu de créativité, quoi. C'est triste. Bien joué, Nora. La mère et le père de cet enfant possèdent tous les deux un don. Vous vous rendez compte de l'importance que ce bébé peut avoir? Non, vous n'en serez pas capable, Nora. Laissez-nous nous occuper de tout ça. C'est pour le mieux, vous pouvez en être sûr. Mais c'est ma petite fille! Ramenez-la! J'ai changé d'avis! Je veux mon bébé! Assez d'avis, vite! Faites sortir le bébé d'ici! Laissez-moi la voir! Je veux mon enfant! Pitié, laissez-moi la voir! Il se peut qu'elle développe certaines capacités particulières. Prévenez-nous si vous remarquez quelque chose qui vous semble inhabituel. Augmentez la dose. Faites le nécessaire pour qu'elle ne retrouve jamais conscience. Je suis désolée. Je te demande pardon. Tout était de ma faute. Et le père dans tout ça? Elle va l'appeler. Dis-moi, Eden. Mais qu'est-ce que t'essaies de me montrer? Détruis cette chose, Eden! Détruis-la maintenant! Maman? Ma petite fille. Ma petite fille. Ah ouais, c'est juste dans la tête, là. J'ai eu tellement peur de ne plus jamais te revoir. Tu ne sais pas combien tu m'as manqué, Jody. Tu m'as tellement manqué, ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont donné des médicaments qui m'ont enfermée dans cet enfer. Non. Y a rien. Rien que je puisse faire. J'ai plus qu'à attendre que tout s'arrête. Non, je vais trouver un moyen de te faire sortir de là. Ils te feront plus de mal. C'est trop tard, Jody. C'est trop tard. Je veux que tu saches que je t'aime plus que tout au monde, Jody. Et rien ne pourra changer ça. Ouvre-le. Quoi? Oh non, vous avez vu? Ce serait horrible de pas le faire. Vraiment, ce serait horrible de pas le faire. Je serai toujours près de toi. Rires.
Je suis désolé, Jody. C'était sûr qu'il y avait un problème. Oh, bordel. Ils ont voulu créer une arme et après, bah, l'arme, quand elle se rebelle, ils sont perdus, ils savent plus trop quoi faire. Bois pas les trucs comme ça qui traînent par là, tu sais pas ce que c'est, je veux dire. Non, je crois pas qu'Aiden puisse agir, enfin j'en sais rien en fait. On est dans quoi? On est dans vice versa là? C'est le condenseur pour ouvrir l'autre dimension. For Daddy. Oh bordel. Non, très déçu de Stranger Things qui a quand même énormément pompé ce jeu. Genre, je trouve vraiment que c'est hyper décevant de la part de la série. Voilà. J'aimais bien et maintenant je déteste. Parce que c'est vachement moins bien quand même. Oh bordel. Je reconnais ça. Il y a Evie, c'est colère. Ok. Oh bordel. Oh non, ils ont pas refait ça. On dirait un œil. Le jeu est sorti avant, ouais. Et Stranger Things est sorti après le jeu. C'est chaud de copier. Le condenseur le plus puissant qu'on ait jamais créé. Comment t'as créé un condenseur alors que j'ai galéré à en faire un? Jody, je suis content de te voir. Si tu savais comme j'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. T'as plus de lunettes? T'as fait une chirurgie réparatrice? Mais tu as l'air épuisé. Mais en tout cas, tu es en vie. Allons dans mon bureau, tu veux? Oh bordel. Eh bien, je t'en prie, assieds-toi. C'est ce que je pensais au début, Jus. Comment tu te sens? J'ai déjà connu mieux. Faut dire que le coup que j'ai reçu sur la tête n'a pas aidé. Je suis vraiment navré, je leur ai dit de ne pas être trop violent. Mais ils ne voulaient pas te laisser une chance d'utiliser Aiden. Comment ils ont fait pour me trouver? La DPA te piste depuis le jour où tu t'es échappé. Ils voulaient te tuer tout de suite. Mais je les ai convaincus qu'il ferait mieux d'attendre et de t'observer de loin. C'est qui Cole déjà? Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère, Nathan? C'est qui Cole? Je me souviens plus. Nora était instable. Quoi? Alors les médecins avaient peur qu'elle soit un danger pour elle-même et pour son bébé. Ok, c'est un méchant. Ma mère ouais. M'aurait jamais fait de mal. Il ne voulait pas courir de risques. Écoute, à l'époque, je bossais à la DPA en tant que chercheur. Je n'ai découvert que bien plus tard ce qui s'était passé. Pourquoi tu ne m'as rien dit à propos de ma mère? Pourquoi tu m'as caché la vérité toutes ces années? J'ai voulu te le dire, je te le jure. Ah, c'est le mec avec qui j'étais tout à l'heure. Mais comment dire à une fillette que rien dans sa vie n'est vrai? Alors bah, comme ça. J'ai essayé de veiller sur toi. Je t'ai aimé. J'ai fait tout mon possible pour te protéger. Et maintenant? Tu avec comptes me renvoyer à la CIA? C'est ça ton plan, Nathan? Ils t'ont amené ici parce qu'ils voudraient que tu fasses quelque chose pour eux. Et ils t'en seraient très reconnaissants si tu acceptais de t'en charger. Oh bordel. Quoi? T'es pas bien? Tu me demandes d'aider les gens qui m'ont pris ma mère, qui m'ont menti pendant des années et qui m'ont volé ma vie? Tu plaisantes? Tu trouves que j'en ai pas assez fait? On sait qu'il y a un autre pays qui vient de découvrir l'inframonde. Son gouvernement pense qu'il peut le contrôler et le manipuler. Il risque d'être complètement dépassé par les événements.
Tu sais ce qui se passerait si des entités entraient dans notre monde, Jodie. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Ça me regarde pas ! Parce que tu connais l'inframonde mieux que n'importe qui. Mais non, elle connaît rien de l'inframonde. Elle est juste... C'est le boulot de la CIA. C'est plus mon problème. Ils veulent te proposer un accord. Merci beaucoup, Clara, pour le 9e mois d'abonnement, le bébé de stream. Merci infiniment. Et ils te libèrent pour tout. Non, mais elle va die, c'est sûr. Ils vont la tuer. Je dis, tu sais ce qui se passera si quelqu'un ouvre un passage. Ce sera une véritable apocalypse. Je l'aimais trop et maintenant je l'aime plus. Tu es la seule qui ait le pouvoir d'empêcher ce malheur. Non, et elle va le faire, cette nouille. Garde distrait, panneau électrique, a mis fin aux souffrances de Nora. Nom de votre père toujours inconnu. Merde ! Merde ! N'a pas exploré les cellules avec Aiden. Non. Médaillon pris. Oh merde, c'est con ! Ça spoil si je connais le nom du père ou pas ? Est-ce que ça spoil ? Si je connais le nom du père, c'est un spoil ou pas du tout ? Est-ce que je le saurai plus tard ou pas ? Vraie question que je me pose. Pour ceux qui ont déjà fait le jeu. Je sais même pas le nom du papa. Est-ce que c'est quelque chose qui est important ou pas du tout? J'aurais dû demander pour le père, mais tout à l'heure, je pensais qu'on aurait plusieurs choix et on n'avait pas plusieurs choix. Non, ça spoil pas, je le connais pas non plus, je pense. Garde-toi le secret. Le nom me dirait... Ouais, bon, c'est ça, bon. Ok, allez. C'est que ça doit pas spoiler. Ok, du coup, après Nora, il y a le briefing. Après ce qu'on vient de faire... briefing. Bon, bah très bien. Fort bien. Donc, attends, mais ça veut dire que là, elle a fait tout ce chemin avec les cheveux courts et tout? Selon nos dernières informations, le Kazirstan a découvert l'existence de l'inframonde. Ils ont trouvé une faille et ils font des expériences à partir d'une base secrète située dans la province du Feilongjiang. On ignore encore à quel stade ils en sont de leurs expériences, mais on a enregistré d'importantes fluctuations qui semblent venir de l'inframonde. Ça signifie qu'ils arrivent à interagir avec l'autre côté. Votre mission est de détruire ce condenseur ainsi que toute autre technologie avancée. Mais pourquoi, s'ils arrivent à le contrôler ? Si on arrivait à détruire le condenseur, la faille serait toujours là. Il faut beaucoup de temps et d'argent pour parvenir à en développer un. Grâce à cette opération, nous essaierons d'étudier davantage l'inframonde dans l'espoir de mieux le comprendre et nous nous assurerons que personne ne s'en servira contre nous. J'imagine que le site est placé sous haute protection. Vous devez vous attendre à affronter des forces militaires importantes. Votre équipe, du moins. Mon équipe ? Fais-les entrer, Marla. Il a changé, hein, notre papa. Salut, ma belle. Ça faisait longtemps, Jody. Non. Oui, l'équipe de Clayton va vous accompagner. C'est un petit commando capable de passer inaperçu. Non. Bah non. La mission commence dans 2 jours. Bonne chance. Fais attention, Jody. Ferme ta gueule. On a aucun moyen de savoir ce que tu vas trouver de l'autre côté. Ouais, bah tu t'en bats les couilles en vrai. T'inquiète pas. Je suis pas prête à rejoindre l'inframonde pour l'instant. Tant mieux. Parce que je n'ai pas envie de te perdre. Oh là là, c'est faux. C'est faux. J'ai envie qu'ils meurent. J'ai envie qu'ils meurent tous. Venez, on laisse l'inframonde détruire le monde. Au pire, on sera tous morts, on s'en rendra pas compte. Content de te voir. Pour le bien de la mission, j'essaierai d'empêcher Aiden de t'exécuter. Mais je te promets rien. Bien dit ! Bien dit, ça ! Eh ben, je vois que ça commence bien. Fils de chien. Allez ! Bon, elle s'est fait... Ah merde ! Merde, ça s'est pas très bien passé, je crois. Allez-y, tuez-le. Vous êtes beau, monsieur. Je commence à en avoir plus qu'assez.
Si vous refusez de coopérer, je serai dans l'obligation de vous tuer. Je n'ai pas le choix. Enfin, je vais vous tuer, quoi qu'il arrive. Mais votre mort pourrait être rapide et indolore. Ah! À la place, vous allez vivre une agonie très longue. Ah, bordel! C'est pas gentil, ça, monsieur. Je vous le demande pour la dernière fois. Pour qui travaillez-vous? Aiden. Où est-ce que t'es? Oh non, ils lui ont enlevé Aiden. C'est complètement désert ici! T'es sûr que c'est là? On est exactement au-dessus des coordonnées! La tempête devient plus forte! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Ryan? Jody, est-ce qu'Aiden peut trouver un abri quelque part? T'as entendu, Aiden? Alors. Il y a une maison par là-bas! Allons-y! On bouge! Allez, c'est mardi! Elle est trop docile. C'est-à-dire trop docile? Dans quel sens? Faut pas qu'un hélico ait besoin de les retrouver, ça poserait problème, ouais. Mais en même temps, je crois qu'ils passent inaperçus exprès. Ah, oh, ils sont en ski! Oh! Trop bien! Mais sur du plat comme ça, ça doit être un enfer. C'est la seule qui... Ah non, ils ont tous déjà remis leur ski. Crève de froid ici! Qu'est-ce qu'on fabrique ici, hein? C'est qu'un putain de village de pêcheurs! Notre informateur s'est foutu de nous! Voilà ce qui se passe! Allez, on ferait mieux de se bouger, avant qu'on finisse par crever gelé comme des cons! 3 jours à marcher sur la glace et à bouffer de la neige pour que dalle! Putain! J'avoue, laissez pas l'esprit le ski dehors. Hey, je commence à en avoir ras le cul de t'entendre te plaindre. Si c'est tout ce que tu trouves à dire, tu peux la fermer. Je suis vraiment gelée. On pourrait pas d'abord allumer un feu et se prendre la tête tout à l'heure. Jody a raison. Bah ouais. En attendant que ça se calme, on va établir un camp ici. Mm-hmm. Je vais demander des instructions au QG. Coucou Piche de R, salut Seb et coucou Flo Florita, merci beaucoup pour les follows. Salut Calimari, coucou Nirons. Et coucou Onika, attendez 2 secondes, j'ai pas fait de pause entre 2 chapitres. Salut Onika, merci beaucoup pour le follow. Coucou Hello Kasha et Agnès, merci à vous pour les follow. Coucou Caro, Julifi, Artemis, Poupoule, Bois, Girafe Rose, LST, j'espère que vous allez bien. Le jeu a commencé il y a longtemps. Ouais, en vrai, le jeu il a commencé il y a genre 3 heures. Coucou Clara, du coup merci encore pour le bébé de stream. Salut Airpain, Dave, Mazi, merci beaucoup pour le follow. Et coucou It's Gus Gus, bonsoir. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter des stalkers? Ah, merde. C'est chiant ça, Evie. Bah juste, t'es une femme. Voilà. Youpi. Alors, Et merde. Et il croit que c'est grâce à eux. C'est un génie. Top là, mon vieux. Ouais. T'as vu ça, Johnny? Ouais. Ouais, bon boulot, les gars. Ah, bordel. Ah, le bonheur d'une bonne chaleur de feu. Ah, il faut se relever? Bah pourquoi? Reste là toute ta vie si tu veux. Enfin, tant qu'il y a du bois, quoi. Hop là! Un petit peu d'eau! On s'hydrate! Santé à tous! Après, on pouvait se réchauffer corporellement. On enlève tous nos habits et on se fait un gros câlin. À 2 doigts de dire « Ah, les hommes !» Ah, bordel. Ok, c'est quoi? C'est une bombe? On sait que ça va mal finir dans tous les cas l'histoire, hein. Non, pas de câlin, y'a Ryan. Alors. Mais moi j'y crois pas trop à leur dernier truc avant quoi que ce soit, hein. Vraiment, j'y crois pas.
Je pense juste qu'ils se servent d'elle et encore une fois et qu'ils vont essayer de la tuer. Et c'est tout. Là. Et les skis sont pas ensevelis, hein. Non, non, c'est une tempête magique. Elle laisse les skis à l'écart. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je vais sortir, d'accord? Il faut que j'aille pisser. T'as une connexion? Pourquoi elle lui parle comme ça? Ça risque de prendre du temps. Pourquoi ils ont pas de gants, surtout? T'es toujours fâché contre moi? Oh, le culot! Écoute, j'imagine que ça te fera pas changer d'avis, mais je regrette ce qui s'est passé. T'as raison. Ça me fera pas changer d'avis. Ah, merci! Le culot, putain! Si le culot avait un nom, il s'appellerait Ryan. Ferme ta gueule. De toute façon, il fait moins 40. Je compte pas aller jouer les touristes. Damn! Gros con! Oh putain! Ok, ouais. Tu peux pas faire pipi sur le bord de la maison sinon? Genre, Osef, non? Tu pisses là? Non, tu veux pas? D'accord. T'es déterminé en fait à aller plus loin. Alors, Aiden, est-ce que tu peux me dire s'il y a un souci? Tu n'en vois pas a priori, très bien. J'ai l'impression que la tempête n'est pas forcément due à une vraie... La tempête n'est pas forcément due à une tempête de neige, mais peut-être à un portail ouvert éventuellement. Je sais pas ce que t'en penses, Josie, mais c'est ma théorie. Merci beaucoup, Malicia Rochelle, pour le 4e mois d'abonnement. Merci infiniment. Merci, merci. Ah ouais, donc elle fait ça en face, devant la fenêtre. Merde, 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 putain, s'il te plaît. Bah oui. Taré. Merci beaucoup, Malicia, merci infiniment pour le 4e mois. Bonne théorie, la dernière fois il faisait froid près du portail. Bah oui, de ouf. Quoi? Nice. Super. Putain, ils vont lui retirer Aiden, ça veut dire. J'aime pas trop beaucoup ça. Imagine, tu pisses, il y a 18 ans qui passent. Ah, bordel. Allez, on est parti. Oh, ils sont là. Je viens de les voir passer. Où ça? Sur la route principale. Il y avait tout un convoi de véhicules blindés, ils sont passés juste à côté de moi. Est-ce qu'ils t'ont vu? Non, non, j'étais cachée. On s'était cachés. Let's go! Allez, on va les suivre. Oh, à pied? À ski? Allez, on chausse. Hop, clac, 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 boum, boum. Waouh, mais tu fais ça avec aucune force. Comment tu fais alors que t'es censé être gelé? Wouhou! Oh là là! C'est du ski de fond! Je faisais de ouf ça dans Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Allez, par contre, faut aller plus vite là. Faut aller un poil plus vite quand même. Ils sont loin, bah ils sont de ouf loin. Oh! Ah! Bingo. Aiden, va voir ce qu'il y a là-dedans. Là, il va loin, Aiden, hein? Pas comme dans la mission précédente. Je vois des soldats. On dirait qu'ils chargent des caisses. Dans des sous-marins. Des sous-marins? Ça veut dire que la faille... Elle est sous l'océan. Ils ont forcément une base quelque part là-dessous et ils utilisent des sous-marins pour transporter du matériel. Combien de soldats? Là, j'en vois 3. Dis à Aiden de nous débarrasser d'eux. Aiden, élimine-les. Oh là là, élimine-les. Allez Aiden, you can do it.
Ok, j'étais pas sûre que ce soit ça. J'aurais dû le tuer lui d'abord. Je sais pas. Ok. Parfait. Et oui, comme d'habitude, l'Amérique veut garder le monopole sur une nouvelle technologie et surtout sur quelque chose qu'ils pourraient utiliser comme une arme. Alors il faut que tout le monde fasse comme ils veulent. On est dans... Ouais. Mais ils sont cons. Oh merde, Nick. Désolé. Oh, t'aurais au moins pu me prévenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laisse-moi une minute, ok? Bah on va dans un sous-marin. Quelqu'un a déjà piloté un sous-marin? Parce que moi, jamais, personnellement. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des choses par là? Non. Tous les soirs, je pilote des sous-marins! Alors, voyons voir. On y va. On continue par là. On a oublié un truc. C'est par là. On a oublié un truc? Genre un tuto sur comment piloter un sous-marin? Bah je sais pas en fait ce qu'on peut avoir oublié. Oh bordel. Qu'est-ce qu'on... Nos skis? Pour aller sous l'eau c'est pas très utile. Sauf si tu veux faire du jet ski mais... Petit tuto YouTube. Non mais il y a un truc, il faut que je fasse un truc, c'est obligé. C'est pas là en tout cas. Ah ouais, elle a pas de sac. Pourquoi elle a pas de sac? Pourquoi elle a pas de sac? Pourquoi elle a pas de sac? Bah... Je l'ai pas pris? Merde. Fallait le prendre. Elle l'a pas repris après le pipi. J'avais la possibilité de prendre le sac? J'ai déjà piloté un sous-marin comme ça sur un simulateur. On pourrait peut-être s'en servir. Ouais, prenons leur sous-marin, ils ne remarqueront rien du tout. Ce que je te demande, c'est un plan, pas un moyen de me suicider. Elle a fait un simulateur de sous-marin, du coup. Est-ce que je peux savoir ce que t'es en train de faire? Je trouve une solution à notre problème. Ouais, bonne idée, mais ça va pas les tromper bien longtemps. Ouais, bah... Peut-être pas. Mais en même temps, cette putain de faille va pas se refermer toute seule, si? Ok. Ça c'est vrai qu'en plus, visuellement, elle a pas du tout les mêmes traits, quoi. En sous-marin. Et après, on avisera. Elle s'est habillée vite, en tout cas. Je vais l'accompagner. Et on vient pas avec nos places. Restez ici et trouvez un moyen de sortir. Parce que quand on viendra, il y a de grandes chances qu'on doive se dépêcher. Mais je t'ai donné un ordre, Nick. Ta mère. Pardon. File-moi les explosifs. Excusez-moi. On est au Kyrgyzstan quelque chose. C'est pas le cas... C'est le Kyrgyzstan... Je sais pas. Kyrgyzstan... Consciente qu'on en reviendra peut-être pas vivant. Et alors? Tu veux me montrer ta bite du coup, c'est ça?
Je le sais depuis le début, Ryan. Voilà, juste évite. Merci beaucoup, Malicia, pour le 4e mois d'abonnement. Je sais plus si je t'ai remercié. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne nuit! Bonne nuit, Lilichou. Continue de plonger, la base doit être dans les parages. Waouh, c'est la première fois de ma vie que je pilote un sous-marin. J'aime pas ça. Ça me fait peur, les profondeurs. La visibilité est mauvaise. J'ai du mal à me repérer. Il y a des lumières. Je suis un peu du père là. Ok. Les poissons, ils nagent bizarrement en vrai. On est à l'endroit ou à l'envers là? J'ai du mal à savoir. Ok. Ok. Il y a plein de lumière partout. Ça a pas l'air hyper loin. On va se taper un... Là, c'est l'Atlantide, en fait. Il va y avoir un Léviator. Et là, il y a un gros tournant. Merde, j'ai cogné. De la lumière. Là, tu la vois ? Je comprends rien à ce qu'ils disent. J'espère que c'était pas une question. Bah, j'espère pas non plus, hein. Je sais pas si les explosifs ça marche sous l'eau. Le Léviathan, on dit, c'est pas le Léviator, pardon. Mais comment ils ont fait pour construire ça sous l'eau ? Moi, ça me fascine les gens qui arrivent à construire des trucs, des bases même maritimes, des bases navales, des trucs comme ça, c'est un truc de ouf, hein. Vous m'impressionnez. Peu d'hommes auraient résisté aussi longtemps. Ah, mais les femmes, c'est au-dessus, quoi. Regardez-lui, il a trois égratignures et c'est tout. Montrerez-vous plus sensible à la douleur de votre camarade. J'en ai rien à foutre. Vraiment, ça... Allez-y, hein. Mes questions sont simples. Je veux savoir quel est votre nom, pour qui vous travaillez. Comment vous avez découvert l'existence de cette base? Et bien sûr, ce qui est arrivé lorsque vous avez franchi le champ de confinement. Ne leur dis rien, tu m'entends? Non, je compte vous poser les mêmes questions encore et encore jusqu'à ce que vous cédiez et me donniez des réponses. Non mais vas-y, hein, fais le travail, j'ai comment hésité à le tuer moi-même. Après, dans tous les cas, ils doivent nous tuer. Ça a l'air douloureux. Non, vraiment, pas du tout, c'est du faux sang. Il vous suffit de répondre aux questions. Et j'arrêterai de faire souffrir votre pauvre camarade. En vrai, j'aimerais bien savoir si on parle, ce que ça fait. Est-ce que si on parle, ils vont être en mode, ok, elle, lui, on s'en fout, on le tue, mais elle, elle peut être intéressante parce qu'elle a directement un lien avec l'au-delà. Et c'est ça que je me pose comme question. J'ai pas envie de parler, mais vous voyez ce que je veux dire ? Si elle explique son don, elle, elle peut être safe. Mais non, on va pas parler ! Mais je réfléchis à ce qui se passerait si elle parle. Voilà, lui, on s'en fout. Je vous avoue que s'il meurt, m'en bat les steaks. Qu'est-ce que je dois faire pour vous faire parler ? Bah, un petit verre, un petit thé, un peu d'alcool, généralement, la langue se délie. En vrai, attendez, mais... Si je vais en... Pour faire parler les gens, pourquoi est-ce que ils les font pas se bourrer la gueule? Genre, la torture, c'est que tu leur fais avaler de l'alcool, juste assez pour qu'ils soient vraiment bourrés, et après, ils parlent, pas besoin de les torturer. Un bon petit verre, des petits jeux d'alcool, et c'est bon. Là, je viens d'inventer un nouveau truc. Oh bordel! Bois! Bois ta mère! Pas plus loin. Tu sais, tu passes une soirée entre potes, quoi. Non! Ah!
Je vais baisser un peu le son, comme ça on l'entend pas crier, parce que c'est exaspérant d'entendre cette merde parler. Il y a plus d'œil ? Très bien. Toute cette souffrance n'est vraiment pas nécessaire. Il vous suffit de me répondre pour que votre cauchemar s'arrête. Ah, c'est pas un cauchemar, c'était plutôt un fantasme de le voir souffrir, donc bon. Allez-y. Je vous écoute. Je déteste voir des personnes souffrir sans raison. C'est un vrai pays, parce que génétiquement, ils sont très beaux, ces hommes. Vous je trouvez dois pas... aller m'occuper d'une demande pressante. Je reviens très bientôt pour continuer notre conversation. Oui, c'est un vrai pays. C'est ouf. C'est vrai que tous les acteurs sont beaux, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait ? What ? On trouve le condenseur, on le détruit et on se casse. Et super idée. Est-ce que je peux savoir comment t'as prévu de faire ça ? Je sais pas. Ça, c'est dans le passé, du coup, hein. 30 minutes. Mais je vais bien trouver un truc. Oh, j'ai hâte de te voir souffrir. Ils ont pas pris de caisse avec eux. Ok. Ah, j'aime ce signe de respect. Comment il a su où était la carte, Aiden ? Dans quelle poche ? La porte là-bas. C'est sûrement par là. Non, tu crois ? Le condenseur est à côté. Je perçois des échos qui proviennent de la faille. J'aime pas ça, c'est trop facile. Oh non! Jody! Dis-moi ce qui se passe! Oh! Ça a été... Tiens donc! Wan Patam! Batamen Likai! Women Yao Wan Tamen! Ils avaient tout prévu, les bâtards! Oh, y avait même un portail pour éviter qu'il y ait des esprits qui passent. Mais c'est trop bien, ça veut dire que eux, au moins, contrairement aux Américains de merde, ils ont créé un système pour empêcher les esprits de s'échapper de la faille! Mais c'est bien, il faut pas leur empêcher de faire ça, il faut qu'ils continuent! Eux, ils sont pas cons! Eux, ils font des choses bien! Mais ils sont smart! Non mais le vrai problème, c'est les Américains. Hein. Non mais qu'on se le dise. Hein. Il est bloqué! Oh non, Aiden, il est tout seul! Bébé chat! Il va prendre un café? C'est lui qui va déclencher quelque chose qui va faire que l'autre il va être occupé d'un coup à... Hop là! Allez, on est parti. On est parti. On s'en va et on va visiter un peu le campus.
Là, on peut pas y aller. En revanche, on peut aller ici, je crois. Alors, allons-y gaiement. Là, c'est quoi ? Les armes, ok. Là, c'est les clés à molette, la réparation. Aiden, aide-moi ! Ah, il l'entend quand même. Donc le lien est... Et quoi qu'il arrive, le lien est là. Il faut une carte. Est-ce qu'il a la carte ? Il a la carte. Ok. Très bien, on va prendre une arme et on va aller buter tout le monde. Nice ! C'est bien ce jeu, en tout cas, hein. Bah, il sait pas ce qu'il fout là, lui, hein. Hop là, et c'est pas lui dont on peut prendre le contrôle ? Si on pouvait prendre le contrôle de lui, ce serait vachement plus simple, hein. Allez, on est reparti, mon coco! Non, lui doit mourir! C'est dans le scénario! C'est vraiment ça, hein! Oh, bordel! Allez, on est parti! Le mec, il croit qu'il est somnambule, il se réveille avec des armes dans les mains en train de tout dégommer! Allez! Allez! Et si on commençait par... Où tu es, Aiden ? Là, par contre, c'est dangereux, du coup. Là, par contre, c'est dangereux parce que t'as libéré... Là, par contre, c'est méga dangereux. Aiden. Aiden, t'es revenu. Juste. Oh, bordel! Mais attendez, mais c'est un truc de ouf. Ça veut dire que là, il y a tous les esprits, mais c'est inconscient de ouf. Ça veut dire qu'il y a genre tous les esprits vont pouvoir passer. Coucou Loki ! Super, Aiden. Ah, j'ai même pas entendu ! Merci beaucoup pour le raid ! Vite ! Fais-moi sortir d'ici. Merci beaucoup ! On est dans un moment un peu... Bordel ! J'espère que vous allez bien les Nokinawatiens ! Ok. Ok. Non, on va pas sauver l'autre. Faut que je trouve Ryan. Bah, ok. Ryan ! Non, mais réponds, c'est trop dangereux, en vrai, c'est trop dangereux. Explose là. Ouais. Fais vite. C'est trop dangereux, là, ce qu'ils sont en train de faire. C'est eux qui mettent en danger le monde entier. Au final, c'est les Américains qui mettent tout tu le monde en danger, quoi. Vraiment le savoir ? Allez, viens. Laisse-le, sauf pas, laisse-le là. Tu peux marcher ? Ouais, ça devrait aller. Okay. Le soigne pas, hein. Vers les sous-marins et attends-moi. Si je suis pas là dans 15 minutes, continue sans moi. T'es dingue ou quoi ? On a réussi, la base est détruite. Partons pendant qu'il en est encore temps. Je peux pas, la faille est grande ouverte. Et si on la referme pas, les entités vont nous envahir. Non, c'est trop tard, Jody, il faut y aller maintenant. C'est le seul moyen. Et tu le sais. Oh bordel. Coucou les Nawa, j'espère que vous allez bien, que c'était bien ce soir. Nous du coup on est sur Beyond Two Souls et Merde, les explosifs. J'ai besoin des explosifs de la salle d'interrogatoire. Alors attends. C'est ça les explosifs ? Elle est où la salle d'interrogatoire ? C'était là-bas ? Je comprends pas ce que c'est les putains d'explosifs de tes morts. Oh bordel! Ça va, Maloki, sinon?
Antangamogwe. Occupe-toi de cet enfoiré, Aiden. Mais c'est pas un enfoiré, c'est vous les gros fils d'Up, là. C'est ouf quand même d'inverser les rôles comme ça. Eux, ils font un truc, ça va, Loki. Trop beau les ongles que tu fais en ce moment. Trop, trop beau. Oh, bordel. Hop là. Ok. On peut continuer ? Oh oh. On reste sur un cauchemar là, hein ? Oh, je suis dans la merde. Il y a tout qui se barre là, ça va pas du tout. Oh merde. Mais même les esprits, ils ont l'air d'avoir peur. Bon, là c'est compliqué là. Là on a fait des choses qui sont pas très bien. On peut rien faire ? C'est quoi ce bordel ? Non mais je comprends rien moi à ce jeu hein. Ah c'est là. Ils se nourrissent sur les corps ? Oh là 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 là. Oh, ça craint du boudin, hein. On va devoir y aller à la nage, là ? On est d'accord, on doit y aller à la nage ? Qu'est-ce qu'elle fout ? Je comprends rien. Je comprends rien à ce jeu. Bouliou, là. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, il y a une tenue de plongée. Ce serait peut-être bien, effectivement. Elle était là pour nous. Prends la combinaison. Effectivement, effectivement. Allez. Hop là, les petites bottes. Nickel. L'oxygène pour respirer. Mais Aiden nous fait nos poumons. Aiden nous fait notre superbe... Waouh. Aiden, c'est notre bouclier, quoi. Là, elle va être lourde, elle va couper. J'ai vraiment la trouille, Aiden. Bah, tu m'étonnes. Reste près de moi, d'accord? Bah ouais, mais j'espère qu'il va pas partir à nouveau. Oh, c'est agréable, ce bruit. J'adore le bruit. Ok. C'est le noir complet. Bah ouais, tu m'étonnes. Il doit y avoir une lampe sur ce truc. Est-ce que t'as vraiment envie de voir ? Reste tranquille, Aiden. Ok. Ah mais c'est normal du coup que ces chaussures soient lourdes. Le but même... Non, Aiden. Il faut qu'on reste discret. Ok. Le but même du coup de ce costume, c'est de marcher. Ok. Allez, on va voir la petite sirène. Youhou! Ok. Oh mon dieu. Mais pourquoi lui il est habillé? Il est pas en costume lui. Ça c'est pas normal, les normes de sécurité ne sont pas très bien respectées par ici. Ok. On a un truc à faire ici, non? Oh là 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 là. Et comment ils ont su les Américains que eux ils développaient ça? Comment ils ont su? Je crois qu'il faut que je passe là-bas.
Oh là 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 là. Elle va aller dans la faille? Je comprends pas ce qu'elle fait. C'est ça qu'il faut qu'elle détruise? Ok. Donc on a 3 minutes avant de mourir. Si j'ai bien compris. Parce qu'on ne veut pas mourir. La mort, c'est mal. Il y en a encore combien? Il y en a 3, on est d'accord, ouais. Ok, je pense qu'on a bien fait de commencer par celui tout au fond, comme ça on est plus proche de la sortie. C'était... Faut pas mourir, on doit tuer Ryan c'est bon, avant. 3 minutes. Faut pas traîner. Ok. Allez, on est tout bon. On va essayer de faire vite. T'aurais pu le mettre à 5 minutes plutôt, genre. Pourquoi mettre à 3 minutes? D'accord, ça cut comme ça. Il veut quoi le serpent LED? Tu vas crever ici avec moi, putain. La plus grande découverte que l'humanité tout entière ait jamais connue. Détruite par ta faute, espèce de pute américaine. L'autre côté. Non. Non mais vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait? Quelle bande de cons! C'est un truc de ouf! Ah.
ok. Vas-y, Jody! Il est parti. André, Ryan, oh, est-ce que t'es passé encore? Mais c'était sûr. Oh, le gros con. Ah! Putain, j'allais dire jusqu'au bout, il nous déçoit. Tu croyais que j'allais te laisser toute seule? Gros con. Ah oui, pile au bon moment. Mais lui, il s'est piloté? Ah non, c'est moi qui pilote. Oh, sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est le monstre. Allez, j'arrive pas. L'onde de choc a détruit les propulseurs. Il y a une brèche dans la carlingue, on va se noyer. Ok. On n'est pas loin de la surface. On a peut-être une chance d'arriver en haut vivant. Ouais. C'est encore un putain de bon plan. Oh. Aiden, sauve-nous. Parce que là, la pression... Ah non, ça va en fait. Merde, c'est quoi LB? Non. Non! Non! J'ai pas fait ça. Le pire, c'est que j'ai appuyé dessus. Ça va, il m'a sauvé. Bon, il est pas si inutile que ça. Bon, ça va. Merde. Merde. Allez. Merde. Allez, Jody. Meurs pas. Ok, réveille-toi. Oh, merde. Ok. Elle va pas mourir. Pff, profite pas. Hein. Allez, Jody. Réveille-toi. Allez, ne meurs pas. Ne meurs pas. Il est nul, son massage cardiaque, non? Ne meurs pas. Bah j'avoue, il faudrait lui enlever la combi. Meurs pas. Non, non. Jody, allez. Pas à cause d'un QTE raté, s'il te plaît. Non. Profite pas, gros connard, là. Non. Non. Je t'aime. J'ai pas raté sur ça. Et il continue pas. Mais il est en train de mourir de froid, je crois, lui aussi. J'ai eu la pire fin. J'ai eu la pire fin. Non. Quoi? J'ai refusé de parler. Infiltré dans la base, possession, est entré dans la base, échappé de la base. Oh. J'ai vraiment fait ça? Non, non, attendez. De toute façon, là, on va pas... Non, mais c'est pas possible. Non. Non, bah non, on s'arrête là-dessus en plus. Ah si, on reste là-dessus. Moi, j'ai trop de trucs à faire ce soir. Oh. Pff,
Non, on recommence pas. Non, moi, nous, on s'arrête là-dessus, ça c'est sûr. Oh, mais quoi? Non, mais le pire, c'est que j'ai appuyé sur le mauvais et après, j'ai appuyé sur lui et il me l'a pas validé alors que c'est LB, lui, hein. Et il l'a mis en rouge quand j'ai appuyé sur lui. Mais quoi? C'est peut-être ça l'histoire, peut-être que quoi qu'il arrive... Attendez, j'ai une question. Non, on va pas tout refaire. Non, non, c'est pas la fin, il reste des chapitres, mais ce sera pour samedi. On continue samedi. Là, ça fait 3h48 qu'on est en stream et je devais terminer il y a 48 minutes concrètement le stream. Donc je vais vous laisser, mais on se voit pas... Non, pas la semaine prochaine, on se voit samedi pour la suite, samedi à 10h30 du matin. Mais attendez, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le chapitre que je viens de faire et qui ont réussi à être... Mais oui, parce que j'avais des trucs pas découverts. Je me déteste. J'ai tout réussi à faire. J'ai tout réussi à faire et elle s'est noyée. T'as fait pareil, Loki? Toi aussi, tu t'es noyée. C'est comme Détroit. Non, mais c'est un enfer. Je veux pas savoir si elle est morte ou si elle est vivante, je veux pas savoir. En fait, soit, je sais pas, on verra. Soit elle est dans l'au-delà quand elle est en train de faire le prologue, dans tous les cas, elle doit mourir d'une manière ou d'une autre, j'en sais rien. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve samedi à 10h30 pour la suite. Bordel! Je l'ai noyée, j'aurais trop aimé voir la suite. Est-ce que Loki, toi, tu l'as refait pour voir la suite, ce que ça fait si tu te noyes pas? Si tu ne te noyes pas. Est-ce que tu l'as refait pour voir ce que ça donne ou pas? Non? Oh. Bon, écoutez, on se voit samedi pour finir et du coup, une fois que on terminera l'histoire, on essaiera de revoir si on peut refaire. Oh, mais non, mais on va pas refaire tout le chapitre. Ah non, c'est mort. Ah non, c'est un enfer. Donc je le referai pas en fait. Ouais, non. 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 On refera pas. Bon, bah écoutez, on se retrouve samedi pour la suite. Merci à tous pour ce live. Je suis désolée, ça va peut-être cut un peu brutalement. Merci beaucoup pour les raids. Loki, Lucas, ben merci beaucoup d'avoir raid la chaîne. Ça fait plaisir. Et ben écoutez, on se voit samedi, quoi. On se voit samedi. Je pense que je vais vous laisser comme ça parce que j'ai trop de trucs à faire et j'ai trop envie de pisser, surtout. Je ne vais pas raid. Je suis désolée, Loki qui m'a raid en se disant « Oh, il va rediriger et tout !» Je me sens comme une merde, mais c'est pas grave, parce que sinon je peux pas. Je vous souhaite une très bonne nuit, bonne soirée à tous. On se voit samedi 10h30 pour la fin, ok? Ok? Pour voir ce que ça va donner. Oh, bordel, non mais systématiquement dans les jeux à choix, je fais de la merde à la fin, c'est quand même un truc de malade, ça, hein? Allez, on se laisse là-dessus. Des bisous, merci à tous pour ce stream, c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé ce côté film du mercredi, et puis à samedi quoi, à samedi 10h30 pour la suite. Putain, je suis dégoûtée, je me déteste, vraiment je me déteste, bonne nuit à tous, gros bisous, et merci à tous d'avoir été là pour ce live, merci à tous les follow, merci infiniment, gros bisous, à samedi, ciao ciao.